Ah, il est là. Ah, super. Ah, Yannick, en deux mots. Du coup, t'as vu... Bonsoir. Bonsoir à tous, bienvenue dans chez Massilia Football. Je ne sais pas si on nous entend. Non, on n'entend pas le mot, pas encore. Si, on est dans le live, Ah ouais? Ah, tant mieux. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Gilles. Ils sont nombreux, hein? Bonsoir. C'est bien. Ah mais Hichem, avec l'actualité de l'Olympique de Marseille, tu sais très bien aujourd'hui, en ce moment-là, l'actu... Écoutez, je viens de tomber déjà sur un commentaire de DefBond77. Je vous supporte du sud du Portugal, Faro. Salut à toi, mon ami. Et salut à tous mes amis. On salue tous les expatriés qui nous écoutent. On sait qu'ils sont nombreux. Hein. En Angleterre, jusqu'au Brésil. Hein, l'autre fois, on a regardé les stats. Gilles, il y a Nandou du 12. Il a marqué, ça commence à me coûter cher le psy. J'espère que ça va bientôt se terminer.
On a la Bretagne qui est parmi nous. Ouais. Il faudrait que notre live soit remboursé par la sécurité sociale. Sérieux. Et on soit consulté par les médecins. Avec l'actualité olympienne, on ne Non, sait plus en quoi donner la tête. Hein. vraiment, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de retrouver ces gens qui nous sont fidèles à chaque fois. On a une room d'enfer. Un petit mot par rapport à Mourad. On avait peut-être annoncé un peu trop tôt la venue de Mourad cette semaine. Et bon, tout était calé, tout était prévu, mais pour des raisons personnelles, Mourad n'a pas pu nous accorder du temps cette semaine. Et c'est promis, de toute façon, c'est que partie remise. Ça sera ou Ah, la bien semaine sûr. prochaine ou la semaine d'après. Mais bon, là, il a eu des. Vous savez que Mourad, il est actuellement un peu sur tous les fronts également, et notamment hier avec son projet. Donc, il y a eu des imprévus, et puis bon, voilà, ça fait partie des choses qu'on ne peut pas anticiper. Donc, c'est que partie remise, hein, de toute façon, on a sa parole, et il viendra nous rendre visite très très bientôt. Aïe. Et d'ailleurs, vous avez le commentaire de Mourad qui nous écoute, hein, qui est désolé de ne pas être présent, mais on le soutient et voilà, c'est que ce n'est que partie remise. On le salue. On le Très salue. occupé, très occupé, Mourad, en ce moment. Oui. On Ah, l'est c'est tous, difficile. remarquez. On l'est tous parce que dire qu'en ce moment, nos vies familiales en prennent un sacré coup. Hein. Putain, carrément. D'ailleurs, Gilles, t'as la Nationale 2 qui est normalement qui devrait reprendre son Ah, championnat. ben je suis pas au courant. Ah bon? Si, la Fédération française de football l'a annoncé cet après-midi. Donc je Ouais, pense qu'il doit être en d'accord. plein dedans avec sa nouvelle équipe hier. D'accord. Eh ben oui, Euh, c'est bon. donc là, on va le sujet ce soir, on va revenir sur l'actualité, notamment sur le beau titre que la Provence va nous servir demain matin sur la Provence. La révolte, en gros titre. Ça me rappelle un certain groupe qui a été créé. Cet été, je pense que Yannick, tu as fait partie de l'un de ses membres. Oui, c'est ça, tout à fait. Si je Bonsoir à ne me tous. trompe pas, C'est plus bonsoir. qu'un membre, c'est Yannick, membre bonsoir. C'est le membre fondateur. fondateur, ouais. Faut bien le préciser. Un Yannick, membre. ça a été le membre fondateur de la révolte. On était tous, ouais, on était un bon groupe, mais ouais, c'est clair que c'est parti. Bon, j'expliquerai un peu après, mais. Ah oui, un Ça membre fondateur. salut à toi, Yannick. Salut, salut, Chem, tu vas bien? Yannick. Tranquille. Un membre fondateur, on va dire, à l'époque, personne, on va dire pas personne, mais vous aviez quand même un petit groupe qui vous suivait et les faits vous donnent raison. Je pense que vous étiez visionnaire à cette époque-là de voir les choses qui allaient se dégrader au fur et à mesure dans le club. On t'écoute, Yannick, par rapport Ouais, voilà, mais à l'acheminement de cette création du groupe, etc. en fait, c'est parti tout simplement on était un groupe où il y avait beaucoup, on était quoi, une vingtaine, je crois. On faisait pas mal de recherches, enfin, qui faisait pas mal de recherches de documents sur ce qui se passait entre la vente, pas la vente, parce que cet été, il y avait beaucoup de rumeurs qui, au final, étaient un peu des prémices de ce qui se passe aujourd'hui. Et en fait, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées, le passage devant la DNCG, les moyens remis par Marc Courte, et on était en Ligue des Champions. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on était dans ce groupe, et un jour, en fait, on apprend que on va avoir que 20 millions d'euros pour le mercato et encore. Et on se retrouve tous un peu énervés sur ce groupe. Et on se dit, attends, on joue la Ligue des Champions, on va avoir une équipe en bois, etc., etc. Et d'un coup de tête, en fait, ça part. On dit, on va faire un tweet et on va essayer de dire qu'on n'est pas content, tu vois. Et donc, du coup, on a créé un tweet de base. On a dit, putain, comment on va appeler ça et tout. Comme un accord, on a dit la révolte marseillaise. Et de là, en fait, on a agrandi notre groupe, on l'a mis au maximum, donc sur Twitter c'est 50. Et on a. Excuse-moi, Yannick, vous étiez combien au départ pour la création du groupe? Oh, c'était un groupe d'une vingtaine, même pas, je crois, une quinzaine. Non, C'était un même groupe pas. de Même... recherche. Non, 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 Yannick, c'est pas ça je pense qu'il Ah, voulait parler. pardon. Moi-même, c'est Les au niveau de fondateurs. la Les fondateurs. création, voilà, Fondateurs. les Ah oui, fondateurs. on était deux, trois, deux, trois. Ouais. Trois, trois. Quatre, on était quatre. Quatre à la. Avec c'était qui déjà? C'était Alors c'était Kojak, c'est ça? Kodiak, Kojak, il y toi. avait Pépé Fut et il y avait Ayrton aussi et moi. Ayrton aussi, qu'on salue Voilà. Ayrton, ça fait longtemps qu'on n'a pas Oh, eu de nouvelles.
Ouais, il a disparu. On espère qu'il va bien. Ouais, nous Surtout, on espère aussi. qu'il va bien, que tout va bien dans sa famille, que tout va bien dans sa vie. C'est le plus important. Voilà, et en fait, c'est parti de ça. Et donc, du coup, on a fait un tweet de base. Et du coup, on a fait rentrer le maximum de personnes qu'on voyait qui soutenaient le truc. Donc, on a fait un grand groupe de participation. En fait, le but de la révolte, à la base, c'était un groupe de participation. Et en fait, voilà, il n'y a pas de créateur, de personnes qui gèrent le truc et tout. C'était un groupe commun avec tout le monde donner ses idées, apporter sa pierre à l'édifice. Et en fait, on a essayé donc ça a pris parce que le premier tweet qu'on a fait a été repris, je sais plus combien de fois. Je crois qu'on était en top tweet à un moment donné. On a fait plusieurs actions. On a essayé de faire des actions 2, 3 fois par semaine. Ça prenait beaucoup de temps, hein. Je sais qu'à un moment donné, je me rappelle, il y avait J. Vous êtes notamment signalé par cette méthode qui est reprise aujourd'hui par certains gros comptes et qui a fait, je crois, qui a fait en sorte que le hashtag boycott Uber Eats s'est retrouvé en deuxième position, en TT, je crois, aujourd'hui. C'est ça. Entêté, ouais. Ouais. Et vous aviez donc éprouvé cette méthode, à savoir lancer une campagne comme ça, enfin une opération un peu commando. Explique-nous comment ça se passait. Eh ben écoute, on était En sur Twitter, ce groupe de évidemment. discussion. Oui, bien sûr, on était sur ce groupe de Hein. discussion et on ciblait quelque chose. Par exemple, je te dis, tel jour, on disait on cible Jacques-Henri Hérault. Donc on faisait un tweet en ciblage Jacques-Henri Hérault et en trouvant un phrasé politiquement correct, on va dire. Pour dénoncer notre mécontentement et dénoncer quelque chose contre lui. Et donc du coup, on ciblait par exemple, voilà, Jacques-Henri Hérault, on faisait un tweet qu'on préparait à l'avance et on disait voilà, à 20 h pile, tout le monde dans le groupe le lance. Et après, c'était relayé parce qu'on discutait avec plusieurs groupes. On était aidé par le groupe de Hamboukaneur, que d'ailleurs je remercie, le groupe d'Antara, le groupe de voilà, c'était un peu, ça avait créé un peu Ouais, c'est vrai. Génération, c'est Une, vrai. voilà, une, ça avait créé quelque chose de Une global humiliation. à toute la team. Voilà, une émulation. Bon, il n'y avait pas tout le monde qui était d'accord, hein, on prenait pas mal de critiques, on se faisait pas mal voilà, lyncher, etc. Parce qu'à l'époque, comme tu dis, on était un peu précurseur, donc c'était peut-être trop tôt, parce je recevais des DM, des gens qui nous disaient, mais putain, on n'a pas commencé la saison, vous êtes des saboteurs, on va jouer avec des champions, vous regardez le recrutement, il est pas mal, etc., etc., etc. Bon, au bout du compte, Ouais, vous avez été beaucoup décrié quand même au début. Ah oui, exactement, oui, beaucoup décrié. Donc bon, écoute, c'était une bonne expérience. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Ça m'a pris l'été complet carrément. Tu te mets dedans. C'est très compliqué au niveau familial parce qu'on prenait énormément, énormément de temps. Ça l'est toujours aujourd'hui parce que même si je suis plus là-dedans, je prends beaucoup de temps à regarder ce qui se passe sur Twitter parce que la vente ou fait, ce qui se passe en ce moment, c'est chaotique pour tout le monde. Je pense que je suis pas seul dans ce cas. Donc c'est vrai qu'en ce moment, ça prend beaucoup de temps. L'OM nous prend énormément, énormément de temps. Mais bon, on espère quand même avoir une lumière positive d'ici peu, quoi. Et une des actions un peu spectaculaires, ça avait été une fois vous aviez ciblé le groupe de supporters des Dodgers, enfin Voilà. le club du baseball, hein, C'est pas les ça. Dodgers, Alors, les supporters, ils avaient répondu, hein, c'est ça? c'est ça, tout à fait. En fait, on avait le Dodgers Nation, c'est le plus gros groupe fan de supporters des Dodgers de Los Angeles de baseball. Et ils nous avaient répondu. Et eux, ils font des lives monstrueux. Je crois que le mec, il a 175 000 abonnés. Ils font des lives monstrueux, etc. Et ils nous avaient cité dans le live, ils avaient cité notre tweet et on les avait tagués. Ils avaient retagué eux, ils avaient re-RT le tweet. Et je crois que ce jour-là, je veux pas te dire de bêtises, mais on avait même été cité par l'équipe 21. Je suis pas sûr, on n'avait pas fait plus de 20 000 retweets en tout, global. C'était quand même monstrueux, quand même, pour on part de rien, on a juste fait un petit tweet. Comme quoi, les réseaux sociaux, ça peut avoir une puissance monstrueuse. Et à partir de là, ben, je te dis, c'est parti de. Après, on en faisait régulièrement. Bon, après, la saison a commencé, les résultats au début étaient plus que corrects parce qu'on gagne à Paris, etc. Donc ça s'est essoufflé, c'est normal. Et après, ben voilà, ça s'est un peu estompé, on va dire. Mais regarde, au bout du compte, on était précurseur parce qu'au bout du compte, ça revient. Ça revient aujourd'hui et c'est fabuleux parce que les gros comptes qui hier nous disaient non, tu sais, nous on veut pas participer à ça parce qu'on n'y croit pas, parce que pour l'instant la saison n'est pas engagée. Bon, à juste titre, ils ont leur raison, hein, et pour ça je critique pas du tout, hein, chacun a le droit d'avoir un avis, etc.
Ben aujourd'hui, Mais reprennent pas directement la même façon, mais reprennent un petit peu le même fonctionnement. Donc ça fait plaisir, quoi, d'un côté. d'accord. Mais et quand tu vois la une de la Provence pour demain matin, c'est une certaine consécration pour entre guillemets pour le groupe que vous avez initié à l'époque pour la révolte. Alors, est-ce que le mot révolte a été pris à rapport à ce Ah, c'est pas que. exagéré, pas Non, je pense exagéré. pas. Je pense C'est le pas. même mot du dictionnaire à la base. Voilà. Mais par contre, oui, tu peux essayer de te dire, ouais, c'est un peu assimilé, donc c'est. Ouais, on va dire Ouais, qu'on mais est un en tout peu cas, ça fait chauvin. plaisir. On est... Ouais, Ouais, voilà, mais ça ça fait fait plaisir, plaisir. Yannick. Ouais, mais toi, Yannick, tu Voilà. te dis que j'étais dans le vrai à cette époque-là. Donc, il y en a, ils ont 6 mois de retard. Tu te dis quand même, en voyant ce titre, tu étais dans le vrai à l'époque quand vous avez créé le groupe Révolte Marseillaise. Ah oui, mais on était dans le vrai, parce qu'on est loin d'être tout seul, et je te dis, Oui, bien sûr, parce que moi j'ai fait voilà, partie un peu moi, de. mais exactement, et en fait, moi, le truc, c'est que on voulait pas dire, c'est lui qui a créé, c'est lui, alors moi, je faisais pas mal de live à l'époque, pour parler de ça, j'allais dans les lives d'Amboucaneur, dans les lives à droite, à gauche, parce qu'en fait, personne voulait vraiment parler, donc bon, moi, comme j'aime bien discuter de l'OM, etc., et que j'aime bien parler, on va dire, je parle beaucoup, ben, j'allais pour parler du projet, quoi, enfin, du projet Mouvement. de l'association, voilà, enfin, du mouvement, pardon, de l'association, Mouvement, du oui, mouvement. pardon. Ben, voilà, donc j'allais pour expliquer ce qui se passait, etc., mais bon, c'est vrai que c'est bien, parce que aujourd'hui, ben, moi, je suis fier quand même, d'un côté, une petite fierté personnelle, on va dire. D'ailleurs, tout le monde peut être fier, ceux qui ont participé à l'époque à ça peut être fier d'eux, parce que au bout du compte, tu te rends compte qu'aujourd'hui c'est repris, et par des très gros comptes de la team OM, donc c'est Déjà. plaisant. Déjà de base, moi j'étais personnellement, hein, j'étais acteur, entre Bien guillemets, sûr. j'étais donc voilà, j'étais dans le groupe, je participais. Déjà, je ressens une petite fierté. Alors, j'imagine Exactement. même pas vous qui étiez carrément les membres fondateurs. C'est un peu comme si c'était votre bébé, la révolte. Hein. Donc, c'est beau. Moi, je trouve Ah oui, c'est beau, hein. qu'aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, c'est comme si vous avez vu vous grandir votre bébé et que tout le monde en parle. Après, où je veux revenir justement sur ça, ce qui se passe en ce moment, c'est que donc nous, on a fait ça à l'époque, ça avait pris un temps, après ça s'est estompé parce que voilà. Mais aujourd'hui, c'est alors il faut prendre ça différemment. Alors aujourd'hui, il peut-être qu'il s'inspire, peut-être, je sais pas, peut-être qu'il s'inspire de ce que nous on avait fait il y a quelques mois. Donc j'espère qu'il s'inspire de ça. Mais là, c'est un autre, enfin, on va dire, c'est un autre combat. Là, c'est un combat beaucoup plus grave, dans le Oui, sens où là, oui, on est carrément dans la oui. perte de, enfin, Non on est à retour. la tangente. Ouais, C'est voilà, on ça, est à la c'est tangente retour. de perdre notre ADN, tu vois. C'est l'ADN du club, c'est les groupes de supporters. Donc C'est si ça. là, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grave, quoi. C'est pas une action où on Oui. dénonce, tu vois. Ouais, mais à l'époque, Yannick, t'étais d'accord avec moi. À l'époque, vous lanciez des tweets, pas à Bah, gogo, ça mais c'est. tous les soirs, à partir de 20h, il y avait des tweets qui étaient très ciblés. Qui Ah était oui. l'objectif, c'est d'être entêté le soir et de faire un Ouais. peu le buzz là-dessus. C'était l'objectif, et en plus, je te dis, on ciblait chaque jour, on essayait de cibler les carences du club, quoi. Les carences à tous les niveaux, à tous les étages. Après, moi, je voulais juste revenir sur un point qu'il y a beaucoup de gens qui s'interrogent. Alors, d'autres s'interrogent, d'autres font des Des amalgames. conclusions, voilà, non, même des conclusions hâtives directement. Il faut bien dissocier en fait le groupe Révolte. C'est parti donc comme a très très bien expliqué Yannick, d'un mouvement de contestation envers la direction. Dans le groupe Révolte, il y avait des pros Mourad Boudjelal et il y avait d'autres personnes qui n'étaient pas pro Mourad. Il faut pas confondre en fait, parce que les gens, quand on parle de révolte, ils associent direct à Mourad Boudjelal. Non, Alors moi, nous, voilà, nous on a fait une action au Stade Vélodrome. Cette action-là, c'est pas l'action de la révolte. Il faut pas tout mélanger en fait. Le groupe révolte, il y avait des pro-Mourad, dont moi, et je le reconnais et je l'assume aujourd'hui pleinement, et jusqu'à aujourd'hui, je reste persuadé que c'est un monsieur comme Mourad qui nous faut comme président. Mais il y avait d'autres personnes dans le groupe Révolte qui n'étaient pas pour. Quand on parlait de Mourad Boudjelal, certaines personnes nous ont dit non, non, nous,
Mourad Boudjelal, il vient du rugby, etc. Bref, ils n'étaient pas pour. Donc, faut pas croire que le groupe Révolte Marseillaise est associé à Mourad Boudjelal. On n'a pas fait ce groupe. Exactement. Voilà. Exactement, Hicham, et pour rebondir dessus, pardon si je peux rebondir, Ouais, vas-y, moi allez, toi. je faisais partie des gens qui croyaient vraiment au début au projet Mourad Boudjelal. En fait, je croyais en Mourad Boudjelal parce que la personne Mourad Boudjelal me paraissait être idoine pour être président de l'Olympique de Marseille. Mais vraiment, tu vois, il avait tous les critères, etc. Donc je faisais partie de ces gens-là qui croyaient vraiment en lui, tu vois. Alors après, sur le groupe, ce qui se passait, et globalement, on ne voulait pas l'associer parce que c'était un projet naissant qui n'avait pas encore d'envergure, et au bout du compte, bon, malheureusement, ça s'est pas fait, mais ça, c'était un projet naissant, et du coup, il y avait beaucoup de gens qui étaient un peu sceptiques, qui étaient donc pour laisser cet engouement autour de la révolte marseillaise et ne pas intégrer un projet qui était naissant. On a décidé, comme un accord, de bien dissocier les choses. Moi, personnellement, j'étais à fond avec Mourad Boudjelal, parce que et je le pense toujours, c'est quand même, si un jour il a la possibilité, je pense que ça serait un mec qui serait super en tant que président de l'Olympique de Marseille. Bon, Exactement. ça se fera pas dans l'immédiat, mais voilà, on voulait pas non plus, voilà, on voulait pas être les partisans du projet Ben, Mourad Boudjelal et le Hajroudi. bras armé du clan Hajroudi Mourad. Ça, Ouais, c'est. clan, c'est un grand mot, mais c'est oui, de leur Non, peut-être du projet, clan, comme. de l'équipe, on va dire. Voilà. Voilà, Oh, c'est ça. ouais, mais par exemple, moi qui vous suivais, qui un peu, qui était un peu dans le groupe, mais je vous suivais de loin. À l'époque, moi, honnêtement, quand vous avez créé le groupe, je vous ai beaucoup associé à Mourad Boudjelal, tu vois. J'ai fait l'amalgame, honnêtement, j'ai fait l'amalgame dessus. Oui, Mais tu n'es pas le c'est seul, hein. Oui, bien sûr. après c'est compréhensible, Mohamed, c'est entièrement compréhensible parce que les pro-Mourad, peut-être qu'on était plus nombreux, peut-être qu'on a pris plus de place aussi, et ça faut le reconnaître aussi. Mais quoi qu'il arrive, la révolte marseillaise n'a pas été créée pour soutenir Mourad Boudjelal. Nous, on l'a fait. Mais on l'a fait indépendamment. Quand moi, on m'a dit, tu soutiens Mourad Boudjelal, il faut aller au Stade Vélodrome, on va faire deux banderoles, etc., etc. Je l'ai fait, mais je l'ai fait en mon nom. Je ne l'ai pas fait au nom de la révolte. Après, Yannick était Hichem. présent aussi. Ouais, après Hichem, ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est peut-être ce qui a fait que les gens ont fait cet amalgame-là. Et d'ailleurs, de toute façon, moi, ça sur ça, il n'y a aucun souci. C'est, rappelle-toi, Mourad Boudjelal avait retweeté un tweet de la révolte, avait RT un tweet de la révolte. Je sais plus lequel c'était, je le retrouverai, je crois. Oui, mais Yannick, Mourad, il a RT des tweets de la révolte, des tweets de. Oui, mais bien sûr. Voilà, c'est pas. Ouais, c'est Non, non, des non, mais associations. c'était pour te dire que les gens ont fait la. Mais en plus, de toute façon, au bout du compte, de toute façon, il n'y a même pas de problème sur ça. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Et je le dis encore une fois, moi, la personne Mourad Boudjelal, en tant que président de l'OM, je pense que même les plus sceptiques demain signent, quoi, quand on voit ce qu'on a en ce moment. Il n'y a pas de débat. C'est peut-être le projet par la suite qui a été. Le projet Hajroudi qui a été peut-être. Un petit peu un flop, mais la personne en lui-même, il a toutes les cases, il coche toutes les cases pour être président de l'OM, quoi. D'accord. Ouais, mais ça a rajouté une couche. À l'époque, t'avais Hérault, qui a fait son communiqué en parlant de bande désorganisée. Donc, Ben, tu ça vois, appartient. ça, pardon, ça c'est les Vas-y, prémices, ça c'est les prémices, tu vois, tu vois, les réactions qu'il avait eu Hérault avec Mourad. En le mettant en demeure, etc. C'était, sans le savoir, ben c'était les prémices de ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire une personne seule dans le bateau qui envoie des mises en demeure à tout bout de champ et à toutes les sauces. Et à l'époque, eh ben, on ne le savait pas encore, mais voilà, c'était les prémices de ça. Donc, il se dirigeait vers une guerre contre tous les Marseillais, quoi. Et Yannick, bon, pour clore un peu le chapitre Mourad, enfin, on va dire la confusion qui a pu exister entre la révolte et Mourad Boudjelal. À la base, donc, tu nous as dit que c'était un mouvement qui était évidemment contre la direction et particulièrement contre la manière de gérer le club par Jacques-Henri Hérault. Et est-ce que ce Exactement. n'était pas aussi une manière de poser, de poser les. On va dire les fondamentaux de l'identité marseillaise et olympienne que vous auriez aimé voir être défendus. Est-ce que ce n'était pas aussi une manière de dire, voilà,
ok, hein, héros, on est contre héros, sa gestion, ses erreurs, etc. Mais aussi, voici ce que nous aimerions, voici comment nous aimerions que l'institution soit respectée et soit considérée. Bien entendu, quand tu vas débuter une saison et que tu vas jouer la Ligue des Champions et que tu vois que le club, en gros, il est livré à lui-même, que quand il est Olympique de Marseille, quand même, tu te dois quand même, de quand tu vas jouer la Ligue des Champions, d'avoir quelque chose, rien que sportivement, de cohérent, ce qui n'était pas le cas. Donc déjà, ça, c'est un manque de respect pour notre institution. Enfin, moi, je l'ai pris comme ça. Ce qui s'est passé cet été avec le mercato et tout, c'est un manque de respect pour l'institution. Quand tu mets pas un centime dans le mercato, pour moi, déjà, c'est un premier manque de respect à l'institution. Ensuite, toute la gestion qui allait autour, même cet été, moi, je reconnaissais pas l'Olympique de Marseille. Bon, au-delà du Covid, qu'on pouvait pas aller au stade et qu'on savait qu'on allait vivre une saison compliquée, qu'on n'allait pas pouvoir y aller. Mais pour moi, ça faisait déjà quelques temps qu'on reconnaissait plus l'Olympique de Marseille. C'était plus le club qu'on avait. Tu parles de gestion, mais il y a aussi la communication qui était souvent très, très mal perçue. Il n'avait pas. Et à juste titre, d'ailleurs. Ouais. Ça aussi, ça a été vraiment une épine dans le pied et qui s'est transformée ensuite en véritable fracture irrémédiable entre les supporters et la direction. Ouais, si pour imaginer, on va dire c'est un panari plein de pus, quoi. Mais tu peux, je le fais pour toi. Mais complètement. Et de toute façon, je crois que cet été, si je veux pas dire de bêtises, il y avait aucune communication, aucune explication. Alors le problème de cette direction, on le voit même encore aujourd'hui, c'est vraiment un problème de communication. C'est-à-dire que là, dans le conflit qu'il y a avec les groupes de supporters, c'est pas que ça, Yannick. Ils sont en train de bafouer l'identité marseillaise. Mais ça, oui, dans le fond, oui, ils sont en train de bafouer l'identité marseillaise. Ça rejoint ce qu'est dit Yannick, parce que si à l'époque, moi je reprends très souvent Pape Diouf, parce que ma meilleure période, moi, quand j'étais à l'OM, c'est avec Pape Diouf, faut dire la vérité. Beaucoup de gens. Voilà, Pape Diouf, s'il y avait un problème, il réunissait tout le monde. C'est lui, je me rappelle, j'ai accompagné moi-même le Pape au local des Winners, parce qu'il y avait un souci pendant un match. Le lundi, il m'a dit, viens, on y va. Et c'est ça, un vrai président. C'est ça, c'est une communication. Ça évite d'énormes problèmes par la suite. Là, aujourd'hui, on a un président qui nous prend de haut. On a un président qui se croit plus intelligent, plus fort que tout le monde. Et aujourd'hui, il n'y a, comme dit Yannick, aucune communication. Et je suis sûr que si depuis cet été, le président, là, j'ai même pas envie de dire son nom, il aurait communiqué, il n'aurait pas pris pour un con les groupes. Parce qu'il faut savoir que plusieurs fois, les groupes ont demandé à être reçus. Plusieurs fois, il leur a dit non. C'est parce que, pourquoi ? Parce que c'est quand monsieur décide. C'est pas quand les groupes ils veulent, c'est quand monsieur décide. Et je suis sûr que si depuis cet été, ils les auraient reçus comme c'était prévu, ils auraient discuté, etc., etc., il n'y aurait pas eu tout ça aujourd'hui. Mais comme il dit Yannick, il n'y a eu aucune communication. C'est normal. Et le peu de fois qu'il a communiqué, il est complètement sorti des clous et il nous a tués. Donc c'est pas comme ça que ça marche. Et la conséquence, si on saute un peu quelques semaines, quelques mois, bon, on ne va pas revenir sur les épisodes de la commanderie, les épisodes des sorties médiatiques de héros, trop de Marseillais au club, le club du chaos. Bon, enfin, on ne va pas replonger dans tous ces détails, mais là, aujourd'hui, on en vient donc à la conclusion de ces quatre pages qui vont sortir, de la résultante plutôt, ces quatre pages qui vont sortir dans la Provence demain, qui, selon nos informations, vont faire date, sont un grand, grand pavé dans la mare et qui vont être un véritable tournant médiatique dans l'histoire de la présidence de Macourt Héros. Ces quatre pages qui, en fait, rappellent un peu cette présidence-là, qui nous sommes, qu'est-ce que nous sommes et vers quoi nous aimerions tendre. Voilà, qui rappelle donc, qui remet au milieu, au centre du jeu, l'identité marseillaise. Et dans ces quatre pages-là, paraît-il qu'il y a, selon nos indiscrétions, beaucoup, beaucoup de signataires, et non des moindres, du milieu sportif, politique, entrepreneurial, artistique. Voilà. On en a eu pas mal au téléphone, malheureusement,
ils ont pas pu se libérer ce soir parce que bon, ben, il faut garder quand même la primeur de l'information et à la Provence, donc ils n'ont pas voulu venir s'exprimer. Mais on sait que ben, Hichem a parlé avec juste avant qu'on commence avec Moussa Maskri. On sait qu'il y a pas mal de politiques qui ont signé également un texte qui a été écrit par Médéric Gasquet-Cyrus. Médéric Gasquet-Cyrus, c'est un personnage haut en couleur de notre ville de Marseille, qui a écrit de nombreux ouvrages sur le parler marseillais, qui est professeur de linguistique à l'université d'Aix-en-Provence. Et donc son texte a été paraphé et c'est un texte fondateur pour rappeler un peu à la direction qui sommes-nous et où voulons-nous aller. Voilà. Ben, tu sais quoi, j'ai même envie de résumer un truc, c'est que demain, hein, j'ai l'impression que on va voir par demain comment ça va se passer, mais j'ai l'impression qu'après les attaques, Marseille contre-attaque, on va dire. Donc demain, je pense qu'il va y avoir un bloc uni et qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Ouais. Alors pour vous en dire juste un mot sur Médéric Gasquet-Cyrus, donc il est sociolinguiste, ok, et il fait également des chroniques à France Bleu Provence. Voilà. Et pareil, il nous a promis de venir très très bientôt sur notre live. On a parlé avec lui ce soir. Il était évidemment très très occupé. Il a passé 48 heures à préparer ces quatre pages, enfin entre autres, hein, puisqu'il n'a pas fait les quatre pages lui tout seul, mais il a longuement contribué à l'élaboration de ce dossier. On a également parlé avec Alexandre Jacquin qui était également très très occupé, qui nous a promis de venir très prochainement aussi dans notre live. Voilà, pas mal de gens qui ont participé à cette opération nous ont dit voilà, ça va valoir le détour, donc demain soyez prêts, ou même cette nuit pour ceux qui sont abonnés à la Provence, ces quatre pages-là vont marquer au fer rouge et vont être un véritable tournant dans l'histoire de l'OM, enfin l'histoire récente en tout cas de l'OM. Et si je peux revenir juste si vous me le permettez, sur un épisode qui s'est passé aujourd'hui, bon, comme la plupart des gens le savent, j'ai entre guillemets attaqué selon vous dire Chavins. Donc je vous explique le pourquoi du comment. D'ailleurs, avant de commencer, je voudrais m'excuser auprès de tous ceux qui sont fidèles à nos lives, fidèles à nos tweets, etc. J'ai vu que j'en ai peut-être choqué quelques-uns, j'en ai déçu d'autres. Donc je tenais à m'excuser, c'était pas le but. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'à l'époque de la révolte justement, on avait été voir Chavins pour lui dire voilà, vu que c'est, il faut le dire, il a une grosse communauté, c'est quelqu'un qui pèse au niveau des followers, tout ça. Sa parole est importante. Donc on a été le voir pour lui dire est-ce que c'est possible, si on fait un tweet, de nous appuyer, de nous soutenir contre la direction, et juste de RT, c'est tout, de retweeter le tweet qu'on va faire. Il nous a répondu je n'ai pas le temps. Donc le gars, il n'a pas le temps de retweeter, et ça ne m'intéresse pas. Le pourquoi je l'ai attaqué aujourd'hui, c'est sur cette phrase-là, ça ne m'intéresse pas. N'importe qui aujourd'hui qu'on va voir et qu'on dit viens faire une action contre la direction, s'il dit ça ne m'intéresse pas, ça veut dire que ça ne l'intéresse pas. Les actions contre la direction ne l'intéressent pas. Après, je peux tout à fait comprendre qu'il n'ait pas le temps. Je sais c'est quoi un étudiant, les devoirs, les cours, le mal de tête, il n'y a aucun souci avec ça. S'il m'aurait dit je suis désolé, je ne peux pas participer, je n'ai pas le temps, je suis en plein, là, j'ai la tête en plein dans les cours, tout ça, j'aurais jamais fait ça. Mais c'est sa phrase de je ne suis pas intéressé. Et cette phrase-là, elle m'est restée gravée, et je vous jure, si vous regardez bien, c'est depuis septembre. Depuis septembre, elle est restée gravée. Et depuis septembre, je dis à tout le monde, le jour où le vent il va tourner, je ne vais pas le manquer. Je ne vais pas le manquer, pourquoi? Parce que certaines personnes, ils connaissent Chavins de par ses tweets. Nous, on sait c'est quoi. Moi, Chavins, je l'ai déjà vu, et lui, il ne m'a jamais vu.
parce que je travaille dans la sécurité, je l'ai vu sur de certaines opérations. Je sais comment il a agi et je sais comment il a fait pour en arriver là. Donc, j'ai posté ce tweet aujourd'hui pour lui montrer que depuis quelques jours, depuis justement qu'il a vu le vent tourner et qu'il a vu le mouvement partir des supporters, hop, il profite de sa communauté pour se greffer et dire, les gars, moi, je dis héros dehors. Et je vous jure que vous me croyez ou pas, j'ai mis ce tweet pour défendre sa communauté. Parce que je ne trouve pas ça respectueux de jouer avec des gens qui te suivent. Moi, je dis toujours, et depuis le début, je dis, si j'ai une info, je le dis. Si je n'ai pas d'info, je ne le dis pas. Pourquoi? Parce que je respecte ma communauté. J'en ai pas 36 millions, hein, mais le peu que j'ai, il me suffise. Pourquoi? Parce que je sais très bien qu'ils sont là par rapport à moi. Ils sont pas là par rapport à ce que je représente, ou etc. ou etc. Donc, si moi, je dis la vérité, c'est pour justement respecter les gens qui me suivent, qui attendent de moi justement que je les respecte. Chavine, c'est tout le contraire. Aujourd'hui, je le répète, je suis désolé si j'en ai déçu, je suis désolé si j'en ai choqué, mais très sincèrement, nous, ça fait 5 mois qu'on galère. Certaines personnes, ils galèrent depuis 3 jours ou 4 jours à faire des actions. Nous, avec la révolte, ça fait 5 mois. 5 mois qu'on dit à tout le monde, attention, les gars, ça va partir en couille. S'il vous plaît, suivez-nous, alertez, etc., etc. Il n'y a personne qui nous a suivis. Il n'y a que la révolte marseillaise. Il n'y a que des gens. Et dans la révolte marseillaise, il y a des ingénieurs, il y a des gens qui travaillent, il y a des avocats. Il n'y a pas que des mecs au chômage. Hein. Je ne sais même pas s'il y en a déjà des mecs au chômage. Mais tu sais, si je peux rebondir sur ça, Hichem, le problème qu'il y a eu, alors, il est global, et le problème qu'il y a eu avec la révolte marseillaise, c'est qu'on nous a beaucoup, comment dire, on a beaucoup fait d'amalgame entre nous et les insiders qui parlaient de ventes, d'infos, de dates, etc. Alors, c'est pas dénigrer ceux qui font ça, chacun fait ce qu'il veut, etc. Mais le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup de choses dans ce sens-là, et les gros comptes, qu'on va dire, les gros comptes de la Team OM, comme Chavins d'ailleurs, qui eux étaient un peu plus sceptiques et détachés, ils n'ont pas voulu se mêler à ça pour pas être pris dans l'engrenage en disant ouais, mais vous étiez avec les mecs qui parlaient de la vente, de machin. Alors que ben, c'est vrai que cet été, au bout du compte, mais moi le premier, on était tous passionnés par la vente, par la vente, par la vente. Il y avait des rumeurs. Bon, ça s'est pas fait cet été. Bon, aujourd'hui, on espère que ça va se faire rapidement. Bon, il n'y avait pas de fumée sans feu. Mais le problème, c'est que ces gros comptes-là, comme tu dis, globalement, quand il t'a dit, quand Chavis t'a dit, j'ai pas, comment dire, j'ai pas le temps, ou ça m'intéresse pas, je pense qu'il était vraiment pas intéressé, dans le sens où il n'avait pas envie De se mêler à de se mêler, ouais, bien sûr. une sorte de Mais conglomérat informe. pourquoi, alors pourquoi aujourd'hui se mêle? Parce qu'aujourd'hui, Parce ça vient, ça part de que gros comptes, et qui connaît, oui. et voilà. C'est ce que je veux faire comprendre. C'est au pire, qu'il reste à sa place. C'est-à-dire qu'il continue à faire gagner des maillots pour ses followers, c'est très bien. Je le félicite et ça vient du cœur. Je parle toujours avec mon cœur. Qui continue à faire ses opérations, qui continue à faire un très bon travail, et je le dis, moi je me cache pas. Il fait du très bon travail chez nos amis du FC Marseille. C'est un très très bon graphiste. Euh, Bien sûr. qui, qui reste à sa place alors? Mais Après. de jouer avec sa communauté, c'est-à-dire de faire suivre, enfin d'aller là où le vent le mène, c'est soit tu n'as pas de personnalité, soit tu es irrespectueux envers ta communauté, envers les gens qui te suivent, envers les gens qui croient en toi. C'est pour Moi, ça. quand je m'abonne à quelqu'un, ça veut dire soit je crois en lui, soit j'aime bien ce qu'il fait, etc., etc. Si demain la personne sur quoi je me suis abonné, je la vois qu'elle va à droite, à gauche, je me désabonne. Si Tu vois, c'est pas intéressant. je peux rebondir sur ça, Hichem, tu vois, moi cet été, par exemple, on a fait la révolte,
Je me suis pris pas mal de claques par des gens, tu sais, des gros cons, des plus petits cons, des mecs qui venaient en conflit avec moi et tout. Et souvent, comment je réglais le truc? J'en ai eu plusieurs de la team OM que d'ailleurs aujourd'hui ben, je m'entends bien tu vois avec ben, ça y a, Mais, je sais pas c'est pas mes amis mais je discute normalement avec eux et je les ai eu au téléphone donc souvent les mecs avec qui je me prenais la tête pour pas parce que voilà j'ai pas 20 ans tu vois on se téléphonait et ces mecs-là en plus au bout du compte ils avaient pas 20 ans non plus et ils avaient une comme moi une certaine on avait plus de 30 ans, on allait au stade depuis des années, donc on discutait au téléphone. Et quand tu discutes au téléphone, que tu lui expliquais, parce que moi, à chaque fois, les mecs, ils me demandaient, putain, mais explique-moi, qu'est-ce que c'est le but de ta révolte, c'est pas les insiders et tout. Donc tu lui expliques, et à ce moment-là, le mec, il disait, ok, je comprends ce que vous voulez faire, c'est respectable, mais bon, moi, voilà, en ce moment, je trouve que l'équipe, voilà, il m'expliquait, peut-être l'équipe, elle tourne pas trop mal, ou on va attendre, etc., etc. Et les mecs, voilà, ils t'expliquaient. Mais du moment que t'expliques au téléphone à une personne, de suite, le discours change, parce que Change. tu as vraiment une... Bien sûr, tu Oui, as tout à fait Yannick. raison, Yannick. Et d'ailleurs, j'ai invité Chavis à s'expliquer avec IFM en DM sur Twitter et j'espère que ça va s'apaiser dans. Oui, mais Allez, moi, sur moi, non, non, moi, des... je non, referme la des gentils parenthèse. jeunes. On va faire l'émission sur Chavine. Non, 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 très, 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 très sincèrement, j'ai rien contre lui. Moi, si demain je suis amené à le voir ou à discuter avec lui, je vais pas l'insulter. C'est vrai que j'ai eu deux, trois tweets de travers cet après-midi. Bon, j'étais énervé. Je le reconnais. D'ailleurs, je les ai effacés. Mais j'ai rien contre lui. C'était juste pour expliquer aux gens, parce que justement, Le rôle des gros comptes qui parfois restent dans l'ombre, Exactement. Et gèrent leurs followers et qui d'un coup sortent de l'ombre quand le vent tourne. Oui, mais d'ailleurs, en plus, pour recentrer le débat, vous, entre guillemets, je comprends Hichem, il comprenait pas à l'époque pourquoi à l'époque, les gros comptes ne prenaient pas on va dire, parti ou partageaient pas les Je tweets. vous quitte 30, Voilà. 10 minutes et je reviens. Je suis Pas de désolé, souci. j'ai le petit qui pleure. Pas de souci. Moi, j'avais une question à poser à Yannick. Est-ce qu'il n'y a pas eu également, à un moment donné, on ne vous a pas reproché de vouloir en fait vous substituer au groupe de supporters? Est-ce qu'on n'a pas cru que vous étiez en train de monter une nouvelle association Ah qui pouvait ben, à terme oui, ben rivaliser alors ou voilà, bon, démanteler? déjà d'une, c'était pas le but du tout, parce que voilà, c'était pas un but premier de vouloir marcher sur les plates-bandes des groupes de supporters, parce que moi-même, je suis affilié à un groupe de supporters, donc c'était pas du tout, mais alors vraiment pas du tout le but. C'était juste on va dire, en fait, c'est une révolte des réseaux sociaux, on va dire, parce que voilà, on Et pouvait pas voilà. aller sur le terrain. Est-ce que c'était pas aussi une révolte par du fait les groupes de supporters, par un peu leur silence et leur Voilà. on va dire une certaine Ouais. passivité à un moment donné, la nature ayant horreur du vide, est-ce que c'est pas justement qu'une place de grande gueule avait été un peu abandonnée dans ces périodes-là, que vous êtes allé prendre il y avait une place à prendre en tant que porte-parole, un peu porte-voix des mécontents, quoi. Ouais, mais alors ouais, c'est un peu dans ce sens-là aussi. Bon, c'est pas parce qu'en fait, à ce moment-là, c'est vrai que. À l'époque, les groupes de supporters à cette époque-là, hein, au mois de août, bon, eux, je pense qu'ils étaient dans l'attente de voir comment ça allait se passer avant de bouger, parce qu'ils ont quand même une posture un peu différente de la mienne ou de la nôtre globalement. Eux, ils ont une posture plus dans l'attente de voir comment ça se passe avec la direction, etc. Donc, ils ont peut-être une autre vision que moi, mais moi. Je me disais, putain, on va commencer une saison en faisant la Ligue des Champions avec une gestion dégueulasse, une équipe dégueulasse, et ça me foutait la haine. Et je me suis dit, je vois pas les groupes de supporters ou quoi, parce qu'on peut pas aller au stade en plus, donc on peut pas extérioriser tout ça. Les groupes ne pouvaient pas faire passer les messages qu'ils voulaient faire passer. Et en fait, je me suis dit, ben putain, comme ils peuvent pas faire passer les messages au stade, ils vont peut-être le faire passer par les réseaux sociaux en faisant des Après, communiqués Yannick, en disant. il faut comprendre une chose, c'est que les groupes, ils ne peuvent pas bouger de la même manière. Et là, Exactement. ce n'est pas les réseaux sociaux. Ils ne peuvent pas bouger de la même manière physiquement, en plus période de Covid, hein, ne l'oublions pas. Exactement, bien sûr, Et bien sûr. je crois avoir lu plusieurs fois et être un peu informé à propos de la révolte que, de toute façon, le but ultime, c'était justement que les groupes se rallient à ce mécontentement parce que tout le monde savait très bien que ça bougerait.
définitivement et de manière inéluctable quand les groupes se mettraient à... Et moi, je l'ai toujours dit, de toute façon, les groupes de supporters, c'est eux qui d'ailleurs, tu le vois aujourd'hui, hein. Regarde, hein, les groupes de supporters ont bougé et ils sont fédérateurs, et de toute façon, c'est eux les guides, on va dire. Nous, c'était juste pour essayer de lancer un mécontentement, parce qu'on sentait que c'était latent et que ça allait arriver, ce qui se passe aujourd'hui allait arriver. Moi, je te dis la vérité, on était tous dans ce... Enfin, tous les gens qu'on participait à la révolte, c'était parce qu'ils savaient qu'au bout du compte, ça, enfin, on n'est pas devin non plus, mais on sentait que ça allait en finir à ce qu'on est aujourd'hui. Donc nous, on voulait juste participer à l'élan, lancer l'élan, et derrière que les groupes de supporters récupèrent le bébé, et nous, on les aurait suivis comme il fallait, parce que c'est eux qui portent la voix, on va dire, au stade, n'importe où, c'est eux qui portent la voix. Et qui portent la voix et l'action, parce que les actions sur les réseaux sociaux, c'est bien gentil. Bien sûr. Ça existe, attention, hein, c'est quand même le reflet d'une expression, mais ça ne remplacera jamais... les actes dans la vie réelle. Exactement. Et aujourd'hui, on glisse tout doucement vers l'actualité parce que on a parlé de ce qui s'est passé un peu aujourd'hui. On va encore parler de ce qui s'est passé aujourd'hui. Dans la deuxième partie, on parlera également des révélations, en tout cas du témoignage de Jean-Charles Le Bonneau dans le live du mission du FC Marseille. Et on parlera donc des dernières infos concernant la vente. Mais il y a également une actualité demain. Alors, j'ai vu passer, je ne sais pas exactement si cette info est confirmée, qu'on devrait nous annoncer la fin des OM Nations. Apparemment, j'ai vu ça aussi, moi. Ça, c'est quelque chose aussi qui vient, une lame de fond qui vient confirmer et conforter tout ce qui se passe, hein, la révolte marseillaise, les supporters, le mécontentement général, puisque les OM Nations sont en train de se désolidariser complètement du projet. Ça, c'est quand même symboliquement, c'est un vrai coup porté à Jacques-Henri Hérault, parce que Dieu sait s'il tenait à c'était un peu son bébé. Et également, demain, il y a une conférence de presse, je crois. Une conférence de presse où on nous annonce... Tous les groupes, annonce, ouais. Ouais, tous les groupes seront réunis pour communiquer. Et de ce presque qu'on s'est laissé dire, il risque d'y avoir... là aussi, ça va valoir le détour. Voilà. On n'en sait pas plus et honnêtement, on n'est pas en train de teaser ou de jouer au mystérieux. Mais on sent qu'il y a une atmosphère de... Grosse annonce demain, voilà. Mais n'y voyez pas un quelconque lien avec la vente ou quoi que ce soit. Hein. Je ne sais pas. Honnêtement, personnellement, je ne sais pas. Mais on a tous donné des coups de fil toute la soirée. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a lancé un live un peu tardif, parce qu'on a essayé d'aller à la pêche aux infos. On n'a pas réussi à en savoir plus. Par contre, restez bien connectés, restez bien en alerte. Demain, il devrait se passer des choses lors de cette conférence de presse. Voilà. Demain, ça va être une grosse journée. Ça va être une grosse journée. Ça va commencer dès 8h du matin avec l'article de la Provence. Enchaîner plus. Il se passe beaucoup de choses tous les vendredis, j'ai l'impression, à l'OM. Ça devient une date. Vendredi, ça devient une date comme pour les Gilets jaunes le samedi. Quoi. C'est les jours de chaos effervescent. Et je sais pas si vous avez vu l'info aussi, il y a, alors ça, il faut me préciser parce que je suis pas calé là-dedans, mais j'ai vu aussi l'info comme quoi il y avait Marseille 1899, donc apparemment, peut-être je me trompe, hein, c'est une association créée en 2017 par Jacques-Henri Hérault qui regroupait tous les, un peu les VIP, un peu le... supporter élite. ouais, voilà, on va dire, mais tous les anciennes gloires du club, etc. Enfin, si je me trompe pas, attention, hein, peut-être je dis des conneries, un peu la table des légendes, on va dire, c'était un joueur de groupe comme ça. Et apparemment, j'ai cru voir aussi, alors je sais plus où, à confirmer si c'est vrai ou pas, qui se désolidariserait de la direction aussi. Donc ça serait quand même encore un coup de poignard dans le dos, quoi. Un de plus, quoi. Déjà que les OM Nations, ça vient de sa propre initiative. On rajoute ça en plus les politiques locaux, les sportifs, les anciens joueurs de l'OM. Ça fait beaucoup. Il y a une atmosphère de, j'allais dire de révolte. J'aimerais employer un autre terme mais il y a vraiment une atmosphère de, voilà, comme avant les batailles. On sent que tout le monde fourbit ses armes. On sent, parce qu'on passe des coups de fil et les paroles se font de plus en plus rares, les secrets sont de plus en plus, ils passent de plus en plus au compte-gouttes, et on sent que, voilà, vous savez, ce silence avant la bataille,
On sent qu'il va se passer des choses très prochainement. On ne sait pas quoi exactement. Et voilà, et on est proche de... Moi, je suis fan de Game of Thrones, tu vois, et je sais pas si vous avez vu, si vous voyez un peu dans Game of Thrones. En fait, là, j'ai l'impression que nous, on va se battre contre les marcheurs blancs, et les marcheurs blancs, c'est Jacques-Henri Hérault et Hugues Bouvard, tu vois. Ouais, après c'est imagé. Imagé. Ah, il faut que ça reste quand même, tout ça, ça reste de... imagé. Ah, c'est imagé, mais bien sûr, mais... Il y a un parfum d'insurrection, et on va tout de suite faire le lien également avec ce live du FC Marseille qui a un peu mis aussi le feu aux poudres et les révélations de Jean-Charles Le Bonneau qui avait promis il y a 10 jours d'en dire un peu plus sur ce qu'il savait concernant la vente. Et bon, il n'a pas fait non plus des révélations fracassantes, mais c'est un témoignage de plus, une personne, on va dire, respectable et de confiance. C'est un témoignage de plus qui va dans ce sens, à savoir qu'il se passe réellement quelque chose et que ce n'est plus du fantasme ou ce n'est plus seulement le sujet préféré des insiders et qu'aujourd'hui, tout le monde s'est approprié, enfin tout le monde, pas encore tout le monde, mais beaucoup, beaucoup de personnes qui comptent dans le paysage olympien se sont appropriées l'information, sont allées la vérifier et peuvent confirmer en ce moment même que les choses vont bon train. Et voilà. Alors chacun a son information, son degré d'avancement. On n'est pas tous on n'est pas tous d'accord sur les étapes et le téléchargement, hein. Est-ce qu'on est à 60, 70, 80, 90, 95? Les prochains jours vont sans doute mettre tout le monde d'accord, mais on ne peut plus nier aujourd'hui qu'il se passe réellement, réellement des choses. On n'est plus dans le fantasme, c'est quasiment entendu par la grande majorité et qu'il va se passer, il va y avoir des officialisations très prochainement concernant le dossier de la vente. Voilà. Ok. On peut aussi, excusez-moi, j'enchaîne. Ouais, tu peux, vas-y, enchaîne. Il n'y a pas uniquement Jean-Charles Le Bonneau, il y a également Benjamin, qui est le cofondateur du site FC Marseille, qui a pas, ma foi, je ne connais pas intimement, mais pour avoir discuté un peu avec lui, il n'a pas le profil de l'hurluberlu ou du gars qui envoie des saucisses et qui fait des barbecues merguez à longueur de journée. Et il était plutôt sceptique concernant ce dossier. Aujourd'hui, il s'est rangé du côté des presque convaincus, on va dire. Et quand lui aussi annonce que, de son côté, il a eu des infos de personnes sérieuses et solides qui ne sont pas les mêmes que celles que Jean-Charles Le Bonneau, on se dit encore deux personnes supplémentaires qui se rallient, entre guillemets, à la cause, quoi. Une réaction, toi, Yannick, par rapport à ces sorties sur la route. Moi, je trouve que c'est une confirmation de plus, parce que moi, je suis un convaincu que l'avenir du club passe par la vente de le départ de McCourt et donc de Hérault, et par la vente du club pour insuffler un nouveau truc avec des moyens beaucoup plus importants que ce qu'on a aujourd'hui, parce qu'on a bien vu que 200 millions d'euros, même s'il les a vraiment mis et qu'on peut lui en remercier pour ça, 200 millions d'euros dans le football moderne, malheureusement, à mon grand regret, c'est pas suffisant. Enfin, ça a pas été bien investi, on va dire. Et qu'aujourd'hui, si vraiment tu veux viser les sommets avec les clubs tellement ils sont en avance sur nous parce que y a des institutions qui sont au top niveau depuis 20, 30 ans, etc. Eh ben, malheureusement, si tu veux rentrer dans la cour des grands, il faut d'un coup avoir un mécène qui arrive et qui met énormément d'argent pour rattraper ce retard assez rapidement et te mêler à la bataille avec les gros clubs, quoi. Donc malheureusement, parce qu'à la base c'est pas une solution première, parce qu'on va quand même, faut le dire aussi, on va quand même devoir faire des concessions niveau sûrement financière pour les abonnements, etc. Parce que ça, il faut en parler aussi. Je pense que c'est une des craintes des groupes de supporters. Mais si demain il faut payer un peu plus cher l'abonnement et sur le terrain tu as des top players européens, je pense qu'on sera les plus heureux, on pourra amener nos gamins, les gamins ils auront des paillettes dans les yeux et ils arrêteront de mettre les maillots de notre ennemi juré avec Mbappé dans le dos, tu vois ce que je veux te dire? C'est ça qu'on veut. Donc. Toi Yannick, quand tu vois, je ne sais pas si tu as vu les images de Jean-Charles Le Bonneau. Oui, je les ai vues, ouais, j'ai regardé. Et d'ailleurs, leur émission, elle est vraiment
Elle est vraiment très sympa. Moi, je la regarde régulièrement. Mmh. Ouais, moi aussi, ils sont top. Le style, les invités, c'est... ils ont trouvé vraiment un style à part. Et puis, franchement, c'est rafraîchissant. Ah, ils sont top. Ouais, ouais, c'est très, très bien. Moi, j'aime bien. Et qu'est-ce que ça t'inspire quand... Parce que, je ne sais pas, moi, Jean-Charles de Beaumont, il n'a jamais été catalogué comme envoyeur de saucisses professionnel, quand même. Non, non, bien sûr que non. Mais c'est surtout que Jean-Charles de Beaumont, il a une énorme connaissance de gens qui sont au club, etc. Et qui sont au club ou à l'extérieur du club. Il connaît énormément, énormément de personnes, que ce soit dans les médias, de partout. Donc, moi, ça me rassure encore un peu et un peu et encore un peu plus. De ce qui va se passer à terme, parce que ce mec là il a quand même un réseau qui est quand même important, quoi, tu vois. C'est pas un dégain dans le, c'est pas un mec qui sort de nulle part et qui te dit ouais moi j'ai des infos sur la vente, tu vois. C'est un mec, il est quand même bien placé et il a énormément de connaissances à Marseille et dans les, de partout. D'ailleurs, vas-y. D'ailleurs, quand il donnait des infos, donner des infos sur la vente, entre guillemets, il disait que le club allait être vendu dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Il disait qu'aussi, qu'il n'était pas du tout, entre guillemets, pour lui, que l'histoire du coach Sampaoli, ça n'allait pas se faire avec lui. Ça m'a étonné. Ouais, ouais. Il a l'air assez sûr de lui, de ce point de vue-là. Bon. Il a eu des affirmations, je ne sais pas. Mais vous savez, je sais pas si vous avez regardé un peu hier à l'équipe 21. Alors bon, c'est l'équipe 21, hein, vous allez dire. Mais ils ont fait un petit aparté de 1 minute 30 sur la vente OM. Ils avaient d'ailleurs mis dans leur truc vente OM. Et à un moment donné, j'ai été surpris d'ailleurs sur ça. Et ça n'a pas été relayé sur les réseaux. D'ailleurs, ça m'a étonné. Il y a une autre partie de l'équipe 21 qui a été relayée, mais pas celui-là, où ils disent, de toute façon, on sait très bien que Sampaoli, ça a du plomb dans l'aile. Et ça se fera pas. Et c'est passé à la trappe. Et moi, je l'ai écouté. Et en fait, c'est passé à la trappe. Et Jean-Charles qui dit ça aussi tout à l'heure en disant de toute façon, Sampaoli, en gros, ça va pas se faire. Et ben, moi, je pense que peut-être ça va pas se faire, tu vois. Parce qu'en plus, là, on a des échos qui vont dans ce sens aussi, mais pas assez solides et pas assez. On puisse l'annoncer comme une info, mais on a des échos qui vont pas dans qui vont également dans ce sens, que Sampaoli, ça serait peut-être une fausse piste à suivre et à voir ce qui va se passer, voilà. Ouais, surtout qu'il y a le club saoudien qui le sonderait pas mal là, et qu'ils ont quand même des moyens financiers, autres, peut-être pas sportifs mais financiers pour le satisfaire, quoi. Mais de toute façon, quand on commence à faire la liste aujourd'hui des personnes qui sont on va dire informées de ce dossier, plutôt bien informées, des Thibaut Vézirian, le petit Mathias de Canal+, bon, aujourd'hui Jean-Charles de Beaumont et Benjamin. D'ailleurs, excuse-moi Gilles de couper, t'as quand même, t'as le chat qui annonce que RMC a balancé que Macron a appelé directement Canal+ pour les droits TV. Ouais. Voilà, voilà, ça c'est une chose, le petit Mathias Manteghetti, c'est une chose qu'il avait relayée dans son fameux direct. Voilà. C'est vrai que là. C'est pour faire le lien. Hein. J'ai peut-être vu juste. Ouais, ouais. Mais quand on commence à faire la liste, bon, et en plus, il y a quand même quelques journalistes confirmés comme Dominique Grimaud qui sont allés également glaner quelques infos ça et là dans leur réseau. Et Dieu sait si ce sont des gens qui ont du métier, de l'expérience et un bon réseau. Bon, ça commence à faire quand même beaucoup de gens plutôt sérieux. On va même pas s'y inclure à nous, hein. On va pas se mettre dans ce cercle-là. Mais ça voudrait dire quand même que si c'est un canular, c'est le canular du siècle, quoi. Ça veut dire qu'il y a une personne, deux ou trois ou plusieurs, qui se sont amusés à faire croire à plusieurs personnes de manière séparée, comme ça, qu'il y avait une vente qui se tramait dans les coulisses et que, voilà, dans quel but, pourquoi, et comment de manière aussi convaincante ils ont réussi à rallier à leur cause des personnes, encore une fois, qui ont l'air quand même assez cartésiennes, des gens comme Thibaut Vézirian ou Benjamin ou Mathias. Comment, pourquoi, quelle extraordinaire coordination. Moi, je m'interroge vraiment, vraiment sur cette secte, je ne sais pas comment on pourrait les définir, mais cette secte Vente OM. Secte Vente OM qui serait derrière tout ça. Et si vraiment tout ça est faux, moi je demande vraiment à ce qu'on mette ensuite tous
toutes les personnes qui ont été informées, qu'on mette les noms sur la table et qui viennent nous expliquer. Moi, ça me fascinerait vraiment de savoir comment on a été baladé et qui viennent nous expliquer le pourquoi du comment et dans quel but. Moi, honnêtement, l'après-vente OM, si elle n'avait pas lieu, je pense qu'elle serait aussi fascinante que la période pré-vente. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Oui, oui, bien sûr. Et pour ajouter un peu de trucs, il y a ce soir, alors lui, il est très sérieux pour le suivre et il balance jamais de trucs sans être un peu sûr de lui. C'est 13, je sais pas si quelqu'un. 13-0-13, ouais. Voilà, c'est quelqu'un de très sérieux qui parle normalement que de la formation, qui est ciblé sur la formation de l'Olympique de Marseille et la formation générale du bassin marseillais. Et ce soir, qui annonce quand même une petite bombe en disant que il aurait eu des infos. Voilà, c'est tout. Il a dit à prendre avec des pincettes, hein, il faut bien préciser, à prendre avec des pincettes, comme quoi Campos prendrait en charge le centre de formation de l'Olympique de Marseille. Il veut dire peut-être autre chose aussi derrière, mais voilà, déjà lui, il est focalisé sur le centre de formation, donc il aurait eu info à prendre avec des pincettes, comme quoi. Exactement, concernant Campos. Bonsoir. Ah, salut. Salut, Fianso. Bien vu, Fianso. Bien. Concernant Campos, on a beaucoup de questions dans la room. Honnêtement, nous, on a des infos un peu contradictoires. Moi, je vais pas vous cacher que moi, ça me semble, enfin, pour le moment, en tout cas, de mon point de vue, il n'y a pas eu de contact. Voilà, ça, c'est mon. Et après, il y en a d'autres parmi notre équipe qui ont eu des infos comme quoi il y aurait des contacts seraient déjà établis et que le dossier serait bien avancé. Voilà, il y a un vrai débat au sein de notre équipe. Il y a ceux qui, vous voyez, comme quoi ça existe, hein, ceux qui y croient et ceux qui n'y croient pas. Enfin, ceux qui ont des infos et ceux qui n'en ont pas. On ne va pas dire croire, parce que croire, c'est autre chose. Ceux qui ont eu l'info et ceux qui n'en ont pas. Voilà. Après, là encore, hein, c'est une affaire dans l'affaire, c'est un dossier dans le dossier et qui va sans doute s'éclaircir très, très prochainement. Bien sûr. Et pour façon, si tu n'as pas d'infos, si tu es une personne qui est vraiment factuelle et que tu n'as pas d'infos, il suffit juste que tu te mettes sur, tu prennes un papier et un crayon et que tu notes tout ce qui se passe actuellement au club, que ça soit dans la gestion de l'effectif pro, dans tous les domaines, tu prends les départs, les machins, tu notes tout et à la fin tu tires un trait et tu fais l'addition et tu te dis mais il peut pas se passer autre chose qu'une vente où il va se passer quelque chose au mois de juin, enfin maximum juin, parce que tu peux pas te dire on va repartir sur une saison 2021-2022. Dans l'état actuel des choses, avec tout ce qui va, tous les fins de contrat, les options d'achat levées, pas levées, le déficit, que tu en veux des trucs, il y en a tellement et tellement et tellement. Donc, tu fais, même si tu es quelqu'un de factuel, là, le factuel, tu l'as devant tes yeux. Et même si ça reste que de la supputation, même si, mais tu es obligé de te dire, mais c'est pas possible. Tu sais quelque chose. Disent, Yannick, les détracteurs, tu sais ce qu'ils disent, c'est que quand tu as une forme de fixation, d'obsession comme ça, tous les faits et gestes et toutes les actions que tu peux analyser peuvent être interprétées ou interprétables comme étant un signe ou une pièce supplémentaire au puzzle de la vente. Donc, c'est vrai qu'il faut aussi parfois garder. D'ailleurs, on a des débats, nous, au sein de l'équipe. Hein, parfois, tu as vu ce qu'il a dit un tel, il a dit tel mot à tel mot. Et on s'est dit, on est tous pareils. Il y a toujours un pour dire, les gars, attendez, ne devenons quand même pas fous. S'il y a un gars qui parle de, tiens, aujourd'hui, j'ai vendu ma voiture, il ne faut pas tout de suite y voir comme une parole subliminale pour dire qu'il y a une vente de l'OM qui se prépare. Parce que après, sinon, on tombe dans l'interprétation, la fantasmagorie, et on devient un insider. C'est pas le but, quoi. Et en fait, après, on lance des saucisses comme ça, tout va, qui veut bien entendre. Donc, c'est pas l'objectif. Nous, comme on est quand même 7-8 au sein de l'équipe, on malaxe, on digère, on réfléchit, et parfois, il y a des infos qu'on ne sort pas, qu'on n'a jamais sorties, et peut-être qui arriveront, mais on a pris le choix de pas les sortir parce que on n'en est pas assez convaincu, ou on n'a pas, ça n'a pas fait l'unanimité au sein de l'équipe, quoi. Donc, c'est pas possible de tout sortir et de sans filtre comme ça sur ou les réseaux sociaux ou les lives. Sinon, ça devient du n'importe quoi. Surtout qu'il y en a beaucoup qui mettent les retours de bâton dès qui attendent que ça pour envoyer le coup.
C'est ça. Oula, on a été éjecté là. Avec toi. Allô? Non, on vous entend, on vous entend, on nous Ouais, entend. c'était bon, c'est bon. Bon, ouais. Ouais, Sur Campos, vas-y, vas-y. Attends, Fianso, j'essaie de voir avec le chat. Vous nous entendez, les amis? Ouais, c'est Oui, bon, ils nous c'est bon. entendent, ils nous entendent. On rappelle que Michel Floss a été licencié l'année dernière. Ah, apparemment, tu n'entends plus. Ah, Fianso, je crois que tu bugs, hein, Fianso. Allô? Hichem, tu nous entends? Rebonsoir tous. Ouais. Rebonsoir. Bonsoir. Fianso, alors Fianso, apparemment, on n'a pas. Sapin de la Alors, ce vente. qu'il disait, on va répéter ce qu'il disait, c'est que tout Attends, simplement. Gilles, attends, je suis en train de vérifier avec les gens de la room. Plus de son, plus de son. Vous nous entendez? Oh, pas de son. On entend tout. Est-ce que quelqu'un entend? Nous, on Alors s'entend, mais là, sauf c'est par Fianso, rapport au apparemment chat. c'est tout le monde sauf Fianso. D'accord. Alors, on va le faire revenir, on va le laisser terminer son propos sur Campos et ensuite on donnera la parole à Hichem. Sur quoi vous en étiez? Je suis désolé, j'ai pas Non, suivi. on parlait de Campos. C'est bon, D'accord. Fianso, on t'entend, on parle? Bon, allez, vas-y, reprends ton propos alors par rapport à Campos. Mais Ah, non, on on a entend. un petit souci avec Fianso. Bah, Ben, on t'écoute, Hichem. On t'écoute, Hichem. est-ce que vous m'entendez? Ouais, on t'écoute, vas-y. On était en train d'évoquer le sujet Campos. Sujet Campos. Ben, écoutez. Campos, moi j'y crois toujours. Moi je fais partie de ceux de l'équipe qui y croient parce que certaines infos vont dans ce sens-là. Après, voilà, d'autres de l'équipe n'y croient pas. Mais après, on essaye de voir. Tant qu'on n'a pas vérifié, revérifié, re-revérifié les infos, on ne s'amusera pas à dire oui Campos ou non Campos, ça c'est sûr. Non, non, parce qu'on évoquait le sujet, parce que t'as nos amis de 13-013 Oui. qui apparemment, selon leurs infos, à prendre avec des pincettes. C'est ce qu'il disait, comme quoi Campos pourrait venir à l'OM en prenant en charge le centre de formation et ainsi que sa société de scouting. Ben Ouais. écoutez, si c'est 13 qui a mis ça. Lui, enfin, ce compte-là, il est très crédible. Et je l'aime beaucoup parce qu'il est axé sur la formation des jeunes, que ce soit à Marseille ou dans tout le bassin sud-sud, quoi. Et il donne de très, très bonnes informations. Et généralement, il est très, très bien informé. Donc, affaire à suivre. Après, Hichem, il est tellement sérieux que justement, il n'a pas dit, c'est sûr, il a bien précisé, à prendre avec Prendre des avec des pincettes. pincettes, oui, Voilà, exactement. c'est Oui, pour ça voilà, qu'il faut, aussi. il faut le suivre, ses conseils, il faut l'écouter. Donc, c'est une info à prendre avec des pincettes. Exactement. Et donc, il est de retour, je crois, Fianso. C'est ça? Non? Non. Non. Bon, en fait, ce qu'il nous disait, ben, grosso modo, lui, il n'y croyait pas vraiment parce qu'il pense que la cohabitation entre la personnalité de Pablo Longoria et celle de Jorge Campos ne serait pas possible. Voilà. Mais ce n'était pas une info, c'était son sentiment personnel. Et pour lui, il ne voit pas comment les deux pourraient cohabiter ou collaborer. Après, Mais personnellement, ouais, la excuse-moi. rumeur insistante semble dire que Campos aurait un rôle beaucoup plus
en altitude, beaucoup plus en altitude dans l'organigramme, et donc peut-être même pas loin de la direction. C'est, voilà. C'est pour ça, après, je Campos, enfin, surtout Longoria. Longoria, aujourd'hui, ça n'a pas l'air de quelqu'un qui est sanguin, qui a un fort caractère. On le voit, il est tout timide, il parle très doucement. Je pense que c'est quelqu'un qui sait se tenir à sa place et qui, surtout quand il travaille dans le but de faire avancer le club. Je pense, moi, personnellement, que les deux peuvent s'entendre. Ouais, ben ça, c'est après, voilà, c'est à l'interprétation et à la sensibilité de chacun. Bien mais sûr, honnêtement, sûr. Pour le moment, si on parle concrètement, parce que bon, c'est bien beau de faire déjà l'analyse sur les personnalités des uns et des autres. Concrètement, on ne peut pas dire qu'il y a des infos très, très solides concernant des contacts établis entre Campos et les repreneurs. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai comme info, plutôt comme non-info. Voilà. Pour le moment, Campos, évidemment, serait très intéressé, il se ferait une joie à l'idée de travailler, de faire un bout de chemin dans sa carrière avec l'Olympique de Marseille. Mais pour le moment, les contacts n'ont pas été établis. Ça veut pas dire qu'ils ne le seront pas prochainement. Hein. Il y a quelqu'un, très sincèrement, depuis qu'on a commencé le live, il a dû mettre vraiment au moins 120 fois le même message. Il faut qu'on y réponde, je pense. On va y répondre, Hicham, on t'attendait en fait. L'équipe, j'espère que vous m'entendez bien. On va juste terminer Pianzo sur son propos sur Campos. Ouais, ouais. Ensuite, Hicham, on te donne la parole. Et oui, on va parler. On ne peut pas appeler ça une info, en tout cas un complément d'info qui vaut son pesant de cacahuètes quand même, qui est assez intéressante. Et Hichem, qui a récolté ça ce soir, ben, quasiment, au moment de démarrer le live, il a quasiment terminé son coup de fil au moment où le live démarrait. Il va nous en parler un peu plus en détail dans quelques instants. Si je peux, Gilles, info là. Voilà, Sampaoli. Sampaoli est annoncé 2 ans à Al-Hilal. Par un journaliste saoudien qui a 45 000 abonnés. Bon, ben écoutez, bravo, bravo Jean-Charles de Bonneau alors. Ouais. Si c'est le cas. On va le saluer. et bravo un peu à nous parce que c'est également plutôt la tendance qu'on a suivie. À Al-Hilal forcément, mais que Sampaoli ne sait pas. Mohamed Bouafsi, là, il va prendre. Je vais faire un moment pub, parce que hier soir, c'était moi le premier à avoir relié l'info d'un média brésilien. C'est vrai. Ouais. Je fais la pub. Momo, ce qui appartient à Momo. Voilà, ouais, vrai. Au vrai Momo. Bouafsi, hein, notre Momo à nous. D'ailleurs, putain, lui, il va prendre des tweets, les Momo Bouafsi. Ouais, oh, franchement, ouais, j'aimerais pas être à sa place, là, maintenant. Bon, ouais, mais c'est Rai Sport Italia qui l'annonce aussi. Ça prend l'ampleur. Hein. Gilles, on va répondre à la question du monsieur ou d'une dame, je ne sais pas c'est qui, Hurricane 75. Hicham, laisse terminer Pianzo, le pauvre, il n'a pas fini. Non, mais vas-y Pianzo, je t'en prie, mon ami. Non, je voulais juste dire que, premièrement, Campos, le fait qu'il vient et que la cellule de recrutement est démantelée. S'il vient, bah justement, c'est une indication parce que c'est un peu son mode opératoire. Il avait fait la même chose au LOSC. Et deuxièmement, j'ai juste dit que ouais, je ne le voyais pas du tout bosser avec Longoria et je voyais beaucoup sur les réseaux le fait que les gens verraient bien les deux bosser ensemble. Et connaissant un peu le personnage Campos, je ne le vois pas du tout bosser avec Longoria. Voilà. Donc, bon, voilà, d'accord. C'était ce que j'ai apporté. Chapitre Campos est clos. Il y a quelqu'un qui a mis quelque chose en commentaire qui c'est pas con du tout. Fanboys ZMTP qui dit Al-Hilal va prêter Sampaoli à l'OM. Pour 4 mois. Mais évidemment, on en a parlé. C'est peut-être ouais, une évidence. Vous voulez que je vous donne une autre info? Le championnat saoudien se termine le 9 avril. Voilà. Tu en es témoin, on en a parlé récemment entre nous. Ouais, on a dit que ce serait peut-être une option. Mais bon, là, ce n'est pas une info, c'était une discussion comme ça, bâton rompu entre nous. C'est vrai qu'on en a parlé, ouais. C'est une option de le prêter à l'OM pendant 4-5 mois.
avant de reprendre la saison. Mais est-ce que ça vaudrait le coup qu'il arrive en avril, que la saison se termine fin mai, alors que bon, c'est un autre débat. Un autre débat. Voilà. Ouais, mais après Yannick, tu as la N2 qui va reprendre la saison. Parce que il y a le centre de formation, je pense, qui t'as lu, je crois, la Youth League qui va reprendre aussi. Peut-être que Largué, on a besoin pour le centre de formation, pour les jeunes aussi. Donc, faut voir. Ouais, faut voir. Pourquoi pas. Faut voir. Ouais. Bon, on va passer un peu à l'info du soir qu'on a réussi à glaner grâce à Hichem et à son réseau absolument. On va dire labyrinthique, je invente un mot, mais vous aurez compris. Et voilà, concernant, qui rejoint un peu la question qui est répétée en boucle par Hurricane, je crois. Ouais. On dirait un robot d'ailleurs. Donc, concernant un peu les supporters et ce qui se passe autour des supporters. Voilà. Je laisse ben, en fait, ben en fait, donc ce soir, on a l'info qui est venue à nous concernant. Ce qui se passe donc par rapport à la convention, etc., etc. Alors, vous dire que c'est les Saoudiens qui ont commandé ça, je ne peux pas vous dire parce que je n'en sais rien. Maintenant, j'ai parlé avec plusieurs responsables de groupes de supporters qui me disent que ils ont eu apparemment. Ils ont eu des infos sur la volonté des Saoudiens de faire un stade de faire du stade Vélodrome un stade ultra moderne. C'est-à-dire que ils ont eu l'assurance que ben les virages ne bougeraient pas. Et après bon, je peux pas rentrer dans tous les détails parce que c'est pas exactement comme ça, en fait, c'est plutôt. Je pense que tu peux y aller. Tu as eu certains leaders de groupe qui t'ont dit avoir reçu un mail. Oui. Concernant la réorganisation la réorganisation et de l'occupation du stade Vélodrome. C'est ça. Moi, je voulais pas trop. Non, mais par rapport au mail, c'est important de dire que c'est pas des coups de fil ou. Non, c'est un truc, c'est quelque chose écrit, c'est quelque chose voilà. Écrit. Excuse-moi, j'étais juste. Non, mais c'est bien parce que bon, moi, j'osais pas, tu sais, après, aujourd'hui, c'est tellement rare d'avoir des infos que voilà, c'est compliqué de dire les choses. Et en fait, j'ai pas envie de dire les choses et qu'après, on commence à dire oui, mais non, mais c'est pas possible, mais ceci, mais cela. Donc, je vais parler normalement. Hein. En fait, ils ont reçu un mail. C'est un mail de la mairie qui fait suite à une lettre des Saoudiens. Donc, en gros, les Saoudiens ont écrit à la mairie en mettant sur papier ce qu'ils aimeraient faire pour le stade. Vous savez, comme quand un acheteur, par exemple, par rapport aux Saoudiens, quand ils veulent acheter l'OM. Il y a, comment ça s'appelle, Gilles ? Un business plan. Là, c'est pareil pour le stade, c'est-à-dire qu'ils ont, écrit à la mairie en disant voilà ce qu'on veut faire pour le stade, on veut faire ça. Ce qu'ils ont écrit à la mairie l'a transmise au groupe de support, à certains groupes de supporters. Donc, en fait, on a les grandes lignes, c'est-à-dire qu'ils veulent faire pour Jean Boyegané. Des packs famille où on viendrait l'après-midi, on visiterait le musée. Hichem. C'est famille, tout ça, on avait dit que on ne savait pas exactement. C'est nous qui interprétons ça comme ça. Gros, soit je dis tout, soit je dis pas. Hichem, Ce qui est important, je vais juste faire une petite aparté, mais la room, c'est que des fois, c'est vrai qu'on a des infos et c'est toujours. Secret Mercato, il a dit j'ai aussi l'info. Non, mais ouais, mais c'est bon, toujours. C'est bon, je peux y aller alors. Non, mais c'est pour ça que je salue Hichem aussi. C'est jamais évident de donner une info en live. Ouais, parce que c'est des choses tellement importantes. C'est compliqué, mais après, voilà. En tout cas. Parce que,
On peut faire l'amalgame Pack Famille, on peut penser que c'est ouais, tellement c'est connoté héros, le Pack Famille, qu'on peut penser que c'est une sorte oui, non, de mais vraiment... volonté d'assagir les supporters, alors que c'est pas... En fait, très, très sincèrement, voilà, les responsables, certains responsables de groupe m'ont affirmé que ce qui comptait faire les Saoudiens, c'est vraiment grandiose, ça sera vraiment extraordinaire. Ils sont très malins parce que ce qu'ils comptent faire, ça va permettre de rentabiliser le stade, mais un million de fois en mieux. Donc, ils veulent faire un peu le système à l'anglaise. Voilà, c'est pour ça. Après, voilà, rentrer dans les détails, mon équipe, après, ils vont me tirer les oreilles. Donc voilà, c'est l'info qu'on a. L'information importante, c'est que les virages, déjà, seront maintenus dans leur disposition et que les leaders de groupe ont été rassurés par cette nouvelle réorganisation que ça ne va pas du tout toucher ni au groupe de supporters, ni à l'ambiance, ça ne va pas du tout interférer. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est ce qu'ils ne veulent pas. Il faut surtout comprendre que l'ambiance, les tifos, le public marseillais, quoi qu'il arrive, le public marseillais, les Saoudiens adorent ça. Les Saoudiens adorent ça. C'est ce qu'ils veulent. Attention à ne pas faire d'amalgame à l'anglais. C'est pour ça que les mots sont très importants, qu'il faut les choisir avec minutie. Si je peux... C'est pour ça, juste termine un truc. Quand on entend package familial ou à l'anglaise, il ne faut pas faire l'amalgame avec tout le monde assis, des places dans les virages à 100 euros. Ce n'est pas du tout ça. Quand Hicham a dit à l'anglaise ou quand il parle de package familial, ça va être quelque chose qui, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire le bon côté de la... Je ne veux pas non plus employer la fan expérience parce que pareil, c'est connoté ma courte. Mais en tout cas, la manière de vivre. Moi, je suis allé plusieurs fois voir des matchs anglais. Alors évidemment, on a perdu beaucoup, beaucoup en ambiance à l'intérieur du stade. Par contre, autour du stade, l'atmosphère est quand même très sympa. Et disons que c'est plutôt ce côté-là qui va être suivi. Enfin, l'exemple qu'ils vont suivre, ça va être plutôt ce côté-là et non pas l'aseptisation des stades, des virages et de la ferveur du public marseillais. Ça c'est hors de question et les leaders de groupe ont été rassurés de ce point de vue là ils sont même apparemment emballés par la présentation qui leur a été faite. Vous comprenez pourquoi je parle très rarement, parce que bon, Gilles il exprime les choses un million de fois mieux que moi. Hicham, c'est parce que donc, je veux te protéger, je veux pas qu'on non je sais non mais voilà, en fait On est une équipe. Moi, je préfère comme ça. Je préfère que, vous voyez, on ne triche pas. C'est ce qu'il y a de bien aussi, c'est que à tout moment, un d'entre nous peut intervenir pour protéger l'autre. Pour voilà, c'est ce qu'il y a de beau dans cette équipe là. Et je suis fier de faire partie de cette équipe vraiment, parce que on est tous complémentaires et chacun apporte avec ses moyens et son énergie. Une pierre à l'édifice dans ce qu'on est en train de construire. Donc voilà, c'était un petit message pour mon équipe, parce que vraiment... Merci Hichem. Merci Hichem. Je le pense vraiment. Plaisir partagé. On va résumer. On va la synthétiser. Donc en gros, l'info qu'on a eue de la part de certains groupes, de certains leaders de groupes, de supporters, c'est qu'ils ont reçu un mail aujourd'hui venant de la mairie et qui leur a un peu expliqué ce qu'ils comptaient faire à l'avenir avec la gestion la gestion à la fois des groupes de supporters, mais également la réorganisation du public au sein du stade Vélodrome. Ouais. Donc, le point important, c'est que les virages ont été rassurés. Il n'y aura pas de dissolution, il n'y aura pas de volonté de ratiboiser la ferveur et la spécificité du supporter marseillais, d'en faire un personnage placide et passif dans ses tribunes. C'est pas du tout la volonté. Ils veulent maintenir l'ambiance, la ferveur, et ils vont aider les virages à continuer à entretenir cette passion unique au stade Vélodrome. OK. Ensuite, évidemment qu'il y a une volonté également de rentabiliser au mieux les tribunes Jean-Bouin et Ganet, notamment les loges.
parce qu'il y a beaucoup de choses. On est quand même vachement en retard de ce point de vue-là. Et évidemment que là, il y aura des aménagements, des améliorations et sans doute, il ne faut pas avoir peur des mots, une augmentation des prix. Ça, c'est nous qui... Voilà, ça, c'est nous, je voulais intervenir juste pour dire un truc parce que je vois un peu les questions de la room. Et il y a des gens qui posent la question et ils disent justement, ils demandent si demain l'annonce des groupes supporters en conférence aura un lien avec la vente. Mais comme on vous a dit tout à l'heure, je crois que c'est Gilles qui l'avait dit, on n'a pas d'infos sur ce qui va être dit demain à la conférence. Non, honnêtement, on a zéro info. On va pas voilà. Une bêtise. On sent qu'il y a une atmosphère surréactuelle, comme on a dit tout à l'heure. Mais ça. On sent que demain, ça va. Quoi, on sait pas. Exactement. Il va se passer quelque chose, ça c'est sûr, ouais. parce que ça parle pas pour rien. Mais vous dire, voilà, il va se passer ci ou il va se passer ça, non, nous, c'est pas notre délire. On n'en sait rien. Pour terminer, voilà, selon nous, on est allé gratter, évidemment, derrière ces infos qu'on a reçues. On est allé un peu gratter. Et selon les infos qu'on a récoltées, donc évidemment, cette restructuration et ce nouveau plan concernant les supporters et le public du Stade Vélodrome, évidemment, serait orienté et par le futur repreneur, par les Saoudiens. Voilà, ça c'est ce qu'on est allé récolter comme information. Voilà. Après, donc, les mails existent. Voilà. Voilà. Donc, mais après, je voulais juste revenir sur une info que j'ai eue il y a pas si longtemps. En fait, pour tout vous expliquer, et attention, s'il vous plaît, ne dites pas que je le défends parce que je le défends pas. Au contraire. Mais ce qui s'est passé, c'est que les Saoudiens ont demandé à la mairie donc d'assainir au niveau du stade Vélodrome, au niveau des supporters, tout ça. Ils veulent tout reprendre à zéro. La mairie a renvoyé les Saoudiens vers l'Olympique de Marseille en disant ben, « c'est pas nous qu'on gère les supporters, c'est l'OM ». Et à ce moment-là, l'Olympique de Marseille, alors Héros, Macourt, Ingram, on n'en sait rien du tout, mais l'Olympique de Marseille a eu ordre d'assainir tout ce qui est supporterisme. Donc, c'est pour ça qu'ils ont rompu la convention. Ça ne veut pas dire dissolution. Non, dissolution, ça ne veut pas dire ça. Rompu, hein. Exactement. Ils ont rompu la convention. Hein. Ça veut dire, voilà, ça veut dire qu'ils ont demandé ils ont demandé à ce que la convention soit rompue. Ça veut tout simplement dire, jusqu'à maintenant, il y avait une convention. À partir de maintenant, il n'y a plus de convention. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, les groupes de supporters ne sont plus liés à nous. Il faut le voir de ce côté-là, en fait. Il ne faut pas le voir du côté Héros va supprimer les groupes, etc., etc. Pour supprimer une association de supporters, il faut des preuves, il faut des choses qui se passent au Stade Vélodrome, parce que le lieu de résidence des supporters, c'est le Stade Vélodrome. Donc, par rapport, comparé au plan Le Prou, par exemple, il a réussi, Le Prou, parce qu'il y a eu des incidents à l'intérieur du stade, et il y a eu des incidents aux abords du stade. La personne qui est décédée, elle est décédée aux abords du stade. Donc, ça a marché. Aujourd'hui, au stade, il n'y a rien eu. Donc, Héros ne peut pas prouver que les supporters mettent en danger l'institution OM aux abords du stade ou dans le stade. Donc, c'est pas du tout question de dissolution. Au contraire. Ouais, et il faut quand même apporter quelque chose, c'est que dès qu'il y a un repreneur dans n'importe quel club au monde, il apporte forcément son business plan, puisque c'est aussi des investisseurs, donc ils sont là aussi pour faire un plan d'investissement. Et justement, le supporterisme ou l'aspect supporter via le club, c'est forcément que ça rentre dedans. Et eux, je pense que justement, les futurs repreneurs, ils voudront encore plus faire grandir l'expérience des supporters. Et tant mieux aussi, on verra ce qu'ils proposeront. Mais c'est tout investisseur qui reprend un club le fait. Hein. Ça se voit partout, que ce soit en Angleterre, en Allemagne, en France. Bien sûr. Donc ça fait partie d'un plan d'investissement. Quoi. C'est un peu logique également dans le cas où ils deviendraient propriétaires du stade. C'est encore plus, ouais. Compréhensible qu'ils veuillent contrôler. Parce que là, du coup, on change complètement de logiciel. Jusqu'à maintenant, le stade appartenait
la mairie. Bon, il y a Arema, évidemment, depuis la nouvelle rénovation. On va en venir à l'histoire de Arema aussi par rapport au stade. Et à partir du moment où les propriétaires, les Saoudiens seraient propriétaires du stade, c'est normal qu'ils veuillent savoir comment ça se passe à l'intérieur et quels sont les locataires, comment gérer leurs locataires. Vous êtes propriétaire, vous avez un locataire, ben vous voulez savoir comment il va payer, quand il va payer, de quelle manière il va repeindre les murs ou pas, c'est un peu logique. Mais attention, ne pas confondre cette volonté de reprendre la main et de redistribuer les cartes de manière, je veux dire, sans arrière-pensée et une éventuelle volonté de transformer le Vélodrome en stade à l'anglaise. Attention. C'est pour ça que ne retenez pas les mots clés comme voilà, quand on a dit à l'anglaise, c'est le bon côté des choses, la convivialité qu'il peut y avoir autour du stade avant un match. C'est exactement ça. Ouais, non, c'est ça. C'est après, concernant la story de Rachid Zeroual hier, c'est sa story à lui. Il y a que lui qui sait. Pourquoi il a mis cette story, les gars. On connaît pas la vie des gens. S'il a envie de mettre, on n'est pas les porte-parole de. Ah, c'est ça. Ouais. Et il y a une deuxième question qui revient. S'il met cette story là, il a une raison. Oui, certes, mais on ne sait pas. On ne sait pas. On va pas vous inventer des choses pour vous faire plaisir, les gars. Il y a une deuxième question qui revient. C'est demain, c'est sur quelle chaîne et à quelle heure la conférence? Mais ça, on n'a pas trop d'infos dessus. Enfin, non, mais je ne sais même pas si les supporters savent comment ça va se passer. C'est pour ça. Personne ne sait. On est dans le flou. On est comme vous, la Roumain, sur ce sujet-là. J'ai entendu dire que c'était à 15h, mais je ne sais pas. Ouais, moi aussi, à 15h, mais je ne sais pas si... Il y aura sûrement les suiveurs habituels et les journalistes qui seront convoqués. Je ne sais pas où, mais ils seront convoqués, quoi. Ouais, de manière ironique, il y a des gens qui mettent sur Téléfoot. C'est quand même sur énorme, le site de l'OM. Sur le site de l'OM. Ça serait vrai. Bien sûr, il y a Julia 1986 qui dit « Moi, ce qui me rassure, c'est que le Qatar a bien racheté le 14e de Ligue 1. Pourquoi pas nouer notre légende ?» C'est exactement ça, en fait. C'est que il faut pas voir, parce que je vois beaucoup de gens sur Twitter dire « Il faut absolument qu'on finisse européen, sinon on sera pas racheté, etc. etc. » Ça n'a rien à voir. Moi, je pense, comme j'ai expliqué l'autre fois, je pense même que ça arrange les Saoudiens si on repartait de zéro, c'est-à-dire en étant ni européen ni rien du tout. Et construire, c'est ce qu'ils veulent, c'est leur volonté à eux. C'est de construire à leur image. Rappelons quand même que l'investisseur à Monaco, ils étaient en Ligue 2 quand ils ont acheté, il me semble. Exactement. Exactement. Le pire scénario, ça serait d'être en Ligue Europa, parce que ça... Ligue Europa avec les matchs jeudi. Oui, c'est ça. Après moi, perso, s'ils viennent et qu'on prend une Europa League la première année, ça me pourra. Par contre, si moi je peux intervenir juste sur ma vision de supporter dans ce que tu viens de dire. Bien sûr. Yannick, tu es chez toi, tu fais ce que tu veux maintenant. Une minute. C'est très intéressant d'ailleurs. Écoute, moi, je trouve ça. De toute façon, clairement, ils n'arriveront pas, personne n'arrivera à enlever la ferveur de l'Olympique de Marseille et notre ADN. Là, je pense qu'ils ont eu, les Saoudiens ont eu la preuve avec ce qui se passe en ce moment, que tu pourras rien faire avec ça. Par contre, ce qui peut se passer, comme disait Gilles et tout, si tu deviens propriétaire, tu fais un tour de table avec les groupes de supporters qui représentent les Marseillais, et à ce moment-là, tu définis peut-être des nouvelles règles. Alors, peut-être qu'il va y avoir des concessions à faire du côté saoudien, peut-être qu'il va y avoir des concessions à faire du côté de nos groupes de supporters. Mais ça, je pense que c'est des grands garçons, ils vont discuter ensemble. Mais je ne pense pas, d'ailleurs, je ne pense pas que leur but premier, comme tu dis, Hichem, c'est de retirer ça. Parce que justement, ce club est vendu à un tarif qu'on saura peut-être ou qu'on ne saura pas, à 100% grâce à cette ferveur. Ce club, en fait, globalement, aujourd'hui, s'il est attractif pour les Saoudiens, c'est grâce à notre ferveur. Parce qu'il faut le dire... C'est grâce à tout ce qu'on entend sur Marseille, sur les Marseillais, sur l'épopée européenne avec les tifos, l'ambiance, toute l'Europe nous regardait vraiment. Moi, je faisais des déplacements j'ai fait d'énormes déplacements, mais là, en 2018, tout le monde était là en train de nous regarder, les Allemands, les machins, tout le monde nous regardait parce que c'était énorme. Donc, t'inquiète pas que l'image de l'Olympique de Marseille, c'est nous. Donc ça, je pense très... En plus, eux, ils viennent pour essayer de se donner bonne image. C'est pas pour aseptiser et avoir une mauvaise pub. Voilà, donc le pouvoir d'attractivité de l'OM
le pouvoir d'attractivité de l'OM de ces dernières années, surtout faute de résultats. C'était exactement. Évidemment l'ambiance au stade. Évidemment. Et mine de rien, quand même, je fais un liaison avec notre ennemi juré QSG. Je pense qu'ils seront assez intelligents pour ne pas reproduire ce que le QSG a fait. Mais c'est pas les mêmes problèmes. C'était des problèmes de. Alors, ouais, Paris, moi, je connais un petit peu. Je peux en parler vite fait si vous voulez. Ah non, mais je sais Paris, que c'est pas les mêmes problèmes. Mais ce que je veux dire, voilà. Même sur le plan sportif, je parle pas que sur le plan des supporters. L'avantage qu'on a si le rachat s'effectue là, c'est qu'ils auront quand même appris aussi des erreurs des autres, en Ligue 1 notamment, et tant sur le plan sportif que sur le plan global du club. Et ça nous permet aussi de gagner bien quelques sûr. Années. C'est ça que je veux dire. Exactement. Le projet, exactement. Je pense qu'il pourra s'accélérer, tu vois. Non, mais et pour les Parisiens, c'était comparable. Un autre problème. C'est même pas comparable. Tu peux pas comparer l'histoire de l'Olympique de Marseille et l'histoire de PSG à l'époque. De base, bien sûr. Est-ce qu'on peut revenir deux secondes, parce qu'apparemment, dans la room, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas. Alors, peut-être que certaines personnes prennent l'émission, le talk en route et arrive au milieu comme ça. Il n'y a pas de conférence de presse demain pour annoncer la vente. D'accord ? Parce que je vois passer, qu'est-ce qui se passe demain ? Ils annoncent la vente. Non, en tout cas, ce n'est pas l'info qu'on a et ce n'est pas l'info la conférence de presse n'est pas annoncée comme étant une conférence de presse pour parler de la vente. C'est une conférence de presse des différents groupes de supporters, des leaders de groupe, je pense, ou leur porte-parole. Ils vont s'exprimer à propos de la situation actuelle concernant tout ce qui s'est passé, tous les événements qui ont eu lieu récemment. C'est sans doute en lien avec les quatre pages consacrées par la Provence sur le sujet. Il se murmure, et d'après nos infos, il va y avoir quelque chose de spectaculaire. Maintenant, attention, on n'a jamais dit que demain, la vente allait être annoncée officiellement dans cette conférence de presse. Que ce soit bien clair. Par contre, Gilles, je vais vous poser une question, puisque je profite d'être en haut. Est-ce que maintenant que les groupes de supporters, selon vos dires, ont été mis au courant d'une vente future, est-ce que vous pensez que maintenant le timing va être très très serré et que l'annonce du coup risque d'être assez rapide, puisque si les groupes de supporters ont été mis au courant, c'est peut-être qu'on arrive peut-être vers la fin pour vous. À mon avis, si aujourd'hui les leaders de groupe ont été mis au courant, ça veut dire clairement, on est sur la fin. Ne faites pas n'importe quoi. En gros, c'est ça. Je ne vois pas l'intérêt d'avertir les supporters de comment ça va se passer l'année prochaine, etc. Maintenant, si maintenant ils ont reçu ça, en gros, moi pour moi, c'est pour dire ça y est, stop, on est sur la fin, restez tranquille et ça va vite passer. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a le stade et que l'info qu'on a eue l'autre fois, c'est que le stade est en négociation aussi avec les Saoudiens et qu'ils veulent, c'est une volonté commune d'annoncer la vente du club et du stade en même temps. Donc, tant que le stade ne sera pas vendu, je vois mal l'OM annoncer la vente du club. Maintenant, c'est compliqué parce que il faut pas oublier que le stade appartient à la mairie, mais que Arema a son mot à dire dans la vente du stade. Et c'est là où ça devient un peu compliqué, c'est que Arema ne veut pas être le dindon de la farce. C'est-à-dire qu'Arema, admettons, ils ont mis 100 millions d'euros pour la construction, si 5 ans ou 6 ans après, on leur donne que 100 millions, ça sert à rien. Ils vont vouloir, je pense, gratter un beau billet. Je pense que les discussions aujourd'hui tournent sur ça. C'est fort possible parce que parmi nos informateurs, ce qu'il en ressort ces derniers jours, parce que évidemment nous on fait part de votre impatience, mais on a aussi notre propre impatience et on nous rétorque comme ça. Il est parfois plus difficile de conclure une vente pour un stade que pour un club de foot. Voilà. Donc, évidemment que là, ça touche à des détails et à des dossiers tellement techniques que je ne pense pas qu'ici, il y en ait un parmi nous qui pourrait
imaginer à quel point c'est complexe, subtil, fragile aussi parfois. Il faut quand même tout dire. Hein. Peut-être que nous, on nous a soufflé récemment qu'il pouvait y avoir peut-être des clauses suspensives ou certaines contraintes liées à la vente et qui pourraient être rattachées à la conclusion du rachat du stade. Donc, tout ça reste quand même, on va pas dire que mentir et dire qu'on est dans tous les détails et qu'on est à la table des négociations. Ça reste quand même encore, c'est pour ça que quand on dit, je voudrais revenir aussi sur une chose que j'ai vu passer plusieurs fois. Oui, pourquoi vous dites parfois que c'est vendu et De Bono, il dit que c'est pas encore vendu. Mais peut-être que le flou qui entoure justement cette question, est-ce que c'est signé, pas signé, se situe autour du stade. Savoir que nous, on l'a dit, on l'a répété, on nous a certifié que le contrat de cession était acté. Mais on ne sait pas s'il y a des clauses suspensives qui seraient liées à l'obtention du stade. Ça, on ne le sait pas. Alors après, si ça tergiverse un peu par rapport à ça, pour nous, c'est évident, c'est lié au rachat du stade. Et s'il y a encore des risques que ça capote, là, honnêtement, il y a les pour, il y a les contre, il y a les optimistes, il y a les pessimistes, il y a les prudents. On est un peu partagé au sein de l'équipe. Mais tant que rien n'est officialisé, tant que rien n'est acté et que les choses sont clarifiées, on reste quand même inquiet. Moi, enfin, personnellement, je reste inquiet. Voilà. Après, même si on est sûr de nos sources et de nos infos. Hein, ça n'a rien après, à tu vois, là, c'est pour ça que je ne voulais pas trop parler de ça. Tu as des gens dans la room qui commencent à inventer des rumeurs. Et ça, je déteste ça. Fred 13821 qui dit « Ils ne savent rien, les groupes de supporters. Comme si les Saoudiens allaient leur parler, réfléchissaient un peu. » Qui a dit d'entre nous que les Saoudiens avaient parlé directement avec les supporters? Apprenez, s'il vous plaît, à écouter ce qui sort de nos bouches. Apprenez à écouter, mais surtout, apprenez à comprendre ce qui sort de nos bouches, s'il vous plaît. On n'a jamais dit, et je n'ai jamais dit, que les Saoudiens avaient envoyé un mail ou une lettre ou n'importe quoi aux supporters. J'ai dit que les Saoudiens, c'est dans le processus du business plan, avaient envoyé un document à la mairie. Ce document contient les désirs des Saoudiens pour le stade. Ce document-là, la mairie l'a envoyé aux supporters. Il ne faut pas tout confondre, s'il vous plaît. Ne confondez pas, je n'ai jamais dit que les Saoudiens parlaient avec les supporters, etc., etc. Donc, avant de parler, vous réfléchissez un peu, s'il vous plaît. Et puis, il faut écouter, tout simplement. En plus, on fait, justement, on est très prudent, on pèse nos mots parce qu'on sait combien l'info, elle est fragile et elle est manipulable et pour pas qu'elle se transforme derrière en saucisse. C'est ça, c'est voilà. Ça. C'est vrai que les mots, c'est vachement important et c'est pour ça qu'on revient dessus. Dans ce dossier, ouais. Après, vu comment Hichem et Gilles, vous avez répété plusieurs fois les infos, j'espère que tout le monde a bien compris le complément d'infos que vous avez donné. Ils réécouteront le replay. Hein. Oui, bien sûr. Je pense que les mots ont importance et le fait de dire que c'est des compléments d'infos que vous avez et qu'on a toute l'équipe. Voilà, donc si vous voulez vraiment être sûr des propos de Gilles et Hichem, réécoutez le live et le passage sur le sujet. Ça, après, nous, on est là juste. Vous savez, regardez, moi, je suis sincère avec vous et je suis très transparent. Moi, j'ai un petit garçon qui est né prématurément, il n'a que 2 mois. Et je le laisse dans la chambre avec sa maman, exprès pour passer du temps avec vous, pour faire des lives. Ça, des fois, ça me sidère que des gens viennent juste pour emmerder comme ça, à laisser des commentaires ou à parler mal. Ils ne sont pas conscients des sacrifices que nous on fait pour justement tenir au courant cette magnifique team qui est la team OM. Et ça commence vraiment à m'embêter, mais très fortement. Nous, on n'est pas obligé de faire ça. On le fait pour nous, parce que ça nous plaît. Faut pas être un menteur. Mais on le fait surtout pour vous tenir au courant
des avancées. Mais bientôt, toutes ces choses-là, elles vont être éclaircies et le temps nous donnera raison. Et j'espère que ce jour-là, on se reverra tous sur un live et on fêtera tous ça dans la bonne humeur. Mais s'il vous plaît, pensez à nous. Pensez à nous, pensez au temps qu'on passe avec vous, au temps que le temps qu'on passe avec vous, c'est du temps pris sur nos femmes et sur nos enfants. Et c'est vraiment pas beau de... faire croire qu'on dit n'importe quoi alors qu'on n'a pas que ça à faire. Moi, j'ai pas que ça à faire qu'à me connecter à 22h pour mentir. Je vois pas l'intérêt de faire ça. Comme j'expliquais tout à l'heure quand j'étais absent, bon, allez, admettons qu'on soit baladé. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, ça commence à faire beaucoup maintenant dans la liste. Il commence à y avoir beaucoup de personnes au courant qui seraient baladées. Donc, encore une fois, il suffit, je sais pas, de raisonner, de réfléchir deux secondes, d'avoir un peu de bon sens pour comprendre qu'on ne peut pas, nous, à nous seuls, inventer une série Netflix depuis plusieurs semaines juste pour le plaisir de rester jusqu'à minuit, une heure parfois avec tout le monde. Je ne sais pas dans quel but, dans quel... voilà. Si ce n'est le plaisir d'informer, le plaisir de partager des infos, le plaisir de parler de l'OM et de s'imaginer un avenir meilleur. Voilà. Ça oui, ça ce sont des réelles raisons. Le reste, inventer des bobards et des délires ou quoi. On est 8, c'est ça, on est 8 au sein de notre équipe. Je pense que si Hichem, moi, Momo, Robin, enfin, ou les autres, de nous, s'amusaient à raconter et à extrapoler, je pense qu'ils seraient vite rattrapés par la patrouille et ils se feraient rapidement rappeler à l'ordre. Il n'y a pas de profil de ce genre dans notre équipe. Il n'y en a pas. Vous voyez, là... Il y a une info qu'on garde sous le pied, une rumeur assez insistante et qu'on garde sous le pied depuis une semaine. Et il y a même une bataille au sein de l'équipe pour dire on la sort pas. Pour vous dire à quel point vraiment on est prudent avec les choses qu'on affiche en public. Voilà. Et mais vous avez raison. Je veux juste répondre à Istalio 1997 qui dit. Mais Hichem et la team, on a le droit d'avoir son avis et de ne pas y croire. C'est la démocratie. Entièrement raison. Tu as entièrement raison. Vous avez le droit de ne pas y croire. Ça, c'est même logique. Je veux vous dire, nous, on est dans la position où on a des infos. Donc, on sait ce qui se passe. Après, moi, je me mets à la place de quelqu'un qui n'a pas d'infos, qui prend des infos de personnes qui ne fait que parler. Je me mets à votre place et c'est très dur d'y croire. Je le sais très bien. Mais moi, si demain je ne crois pas aux infos, je ne vais pas aller rendre fou la personne qui dit des infos. J'y crois pas, je le laisse tranquille. Si après, plus tard, il se fait passer pour un menteur, tant pis pour lui. Vous avez le droit de ne pas y croire. Mais vous n'avez pas le droit de venir et de nous parler mal. On n'est pas des animaux. On a le droit, on est en démocratie. Moi, je préfère quelqu'un qui me dit, écoute, je t'écoute parler depuis tout à l'heure. Si tu as des infos, bravo à toi. Mais moi, je n'y crois pas. Cette personne-là, je vais la respecter. Mais la personne qui vient sur le chat, qui raconte n'importe quoi et surtout qui dit des choses qui ne sortent pas de notre bouche, c'est pas beau. Voilà. Mais il y aura toujours des gens qui vont extrapoler. Il y a toujours des gens qui ne croiront pas tant qu'ils ne voient pas. C'est comme ça, c'est la nature humaine. Mais surtout, on n'est pas là pour essayer de convaincre ceux qui n'y croient pas. Ah bah non, ça c'est... Le but, c'est de livrer de manière factuelle ce qu'on sait, on va dire, ce qu'on apprend, nos infos, de les livrer, libre à chacun ensuite de les prendre, d'y croire, de ne pas y croire, ou d'y réfléchir en tout cas. Mais voilà, après, il ne faut pas passer pour des... Juste, bien sûr. Et il ne faut pas oublier que quand même, on est dans la liberté expresso de une, et de deux, quand on sort des infos, ou même quand on parle de l'OM, on manque de respect à personne. Donc après, forcément que sur ce sujet-là, même de la vente, il y aura des divergences, mais ça fait partie aussi du jeu. Et justement, nous, on est les premiers à dire, s'il y a quelqu'un qui pense que pour lui, la vente, elle se fera pas ou autre, il peut même monter et voilà, expliquer sa thèse. Et c'est par ça contre, aussi le débat. Pour ça, ce serait super intéressant. Et bon, j'espère qu'on aura l'occasion de l'avoir avec nous prochainement, c'est d'avoir quelqu'un qui peut-être qui n'y croit pas ou qui n'a pas eu d'infos,
essayer de comprendre comment il a mené son enquête et pourquoi, dans son raisonnement, il pense que tout ça est du fantasme. Parce que quand je dis c'est intéressant, c'est pas c'est pas ironique. Ça serait vraiment intéressant parce que du coup, des personnes évidemment sensées, raisonnables, hein, pas des gens irrespectueux, ça serait bien de confronter dans un débat justement des gens qui n'ont, attention, des gens qui ont cherché, hein, pas des gens qui juste au doigt levé comme ça disent « Ah ben moi j'y crois pas parce que mon intuition, mon sixième sens, voilà. » Des gens qui ont cherché et qui vont nous expliquer où ils sont allés chercher, quand ils sont allés chercher, comment et pourquoi ils se sont heurtés à des silences, à des refus ou à l'absence d'infos. Et ça serait intéressant de confronter voilà, ces deux types d'investigations ouais. et ça ferait sans doute avancer le débat aussi. J'aimerais avoir votre ressenti sur un truc, moi, pour changer un peu de sujet. Je change un peu de sujet, excusez-moi. Avec la journée qui s'annonce demain, c'est-à-dire la Provence, on espère les communiquer, la conférence de presse du groupe et peut-être d'autres surprises. Votre avis, est-ce que Jacques-Henri Hérault peut tenir peut-être les jours, les semaines ou peut-être le mois ou les mois qui lui restent à la tête de l'OM après une journée comme elle s'annonce demain? Est-ce qu'il peut, dire trop de pression ou alors il peut avoir une décision qui fait qu'il prend officiellement du recul demain en attendant que est-ce qu'il peut se passer des Moi, choses Moi, je vais répondre en trois mots, après je laisse la parole. Tout est possible. Voilà, ok. J'ajouterai la même... réponse que Gilles, dans le sens où le football, c'est un monde en plus qui va tellement vite que... Bon. Moi, je dirais tellement il est sadique. tellement il est sadique, il aime prendre des coups, il restera fort et en place. Je te jure que moi, je suis du même avis que Momo, parce que Jacques-Henri Hérault, j'ai eu la malchance. Enfin, je ne suis pas hypocrite. À l'époque, j'étais content. Je vous dis la vérité. À l'époque, quand il est arrivé... je disais à mon entourage tout ça, putain, enfin on a un président qui est cool, on a un président qui délire, tant mieux, etc., etc. Il m'a vite fait déchanter, mais c'est quelqu'un qui se fout de tout, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, au plus tu vas l'insulter, au plus il va être content, et ça c'est réel, je vous jure que je vous mens pas. Il est tellement imbu de sa personne que au plus on va lui dire dégage, au plus il va rester. Au plus on va l'insulter, au plus il va dire putain, regarde, ils sont cons, ils sont en train de m'insulter, etc. Ah, etc. Il préfère ça à l'indifférence, quoi. Et d'ailleurs, pour ajouter, Hichem, ce que tu dis, je pense que si un jour il doit être amené à partir, il partira avec ma courte. Il est trop bien ma courte. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais aussi. C'est quand même compliqué quand même pour lui, si tu écoutes un peu ce qu'il dit, qu'il y a l'anecdote de Titi la dernière fois. Qui dit qu'il arrive, bon, il est sur surveillance policière, il arrive dans un van couché pour pas qu'au moins on l'aperçoive. Non, mais apparemment, c'est réel ça, donc tu vois, c'est compliqué quoi. Toi, tu l'as connu, Yannick, parce que je sais que tu es abonné au Virage depuis très longtemps. Tu sais que moi aussi, bon, j'étais dans la sécurité. Si tu te rappelles à l'époque, la Brune, à la fin, il venait même plus au stade parce qu'il avait peur. Ouais, les trois derniers matchs où il était là, c'était chaud bouillant, mais voilà. C'était au stade. C'était voilà. Au stade. Donc, il se cachait, c'est-à-dire qu'il ne venait plus. Pourtant, il était à Marseille, mais il ne venait plus au stade parce qu'il savait que sa tête, eh ben, elle était voulue par 40 000 personnes. Aujourd'hui, est-ce que vous avez vu Jacques-Henri Hérault ? Il parade dans le stade. Ça veut dire que je suis même sûr qu'il doit avoir un accord avec le diffuseur et c'est lui qui doit dire « filmez-moi quand il y a des buts, filmez-moi ». Parce que vous avez vu comme à chaque fois qu'il y a quelque chose, hop, il le filme en train d'applaudir. L'entrée des joueurs, jamais de la vie l'entrée des joueurs, on a filmé un président en train d'applaudir. Là, l'entrée des joueurs, hop, gros plan sur Jacques-Henri Hérault en train d'applaudir. Il parade le mec. Ouais, mais ça dévide. Oui, justement, ça veut dire quoi qu'il arrive, moi je suis là. Ouais. Moi je voudrais changer un peu de registre. Juste, il y a quelqu'un qui, pareil, hein, qui troll de manière. Qui renvoie le même message, là, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Et qui répète sans cesse Boafsi, le roi des saucisses, Boafsi, le roi des saucisses. Alors,
honnêtement, à titre personnel, moi, je ne le porte pas. Ce n'est pas quelqu'un que j'affectionne particulièrement. Mais je voudrais, sur ce coup-là, un peu relativiser. Bon, déjà, je ne sais pas, hein, honnêtement, si c'est officiel que Sampaoli va aller à l'Hilal. Déjà, premièrement, il faudra vérifier si l'info elle est sûre et solide et si c'est officiel qu'il vienne pas l'OM. Mais ça, c'est le jeu du... Il ne faut pas lui jeter la pierre. Hein. Attention, je ne défends pas uniquement Boissy, parce que ça nous est arrivé aussi de nous faire... De nous, pas de nous tromper sur un contact, mais de nous tromper sur la tendance de tel ou tel recrutement. Voilà, on ne peut pas dire que c'est trompé sur le Turc à Séville, mais en tout cas, on nous avait certifié que c'était la priorité de recrutement au milieu de terrain pour l'Olympique de Marseille. Ça ne s'est pas fait. Donc, c'est vraiment un jeu dangereux, le mercato, les transferts, etc. Il y a tellement de paramètres qui rentrent en ligne de compte, il y a tellement de fausses pistes, les agents au milieu, etc., qu'on ne peut pas taxer quelqu'un qui se trompe sur quelque chose comme ça, même si Momo Boissy le fait parfois avec un peu de... Comment dire ? Avec un peu d'arrogance quand il annonce parfois ses infos. Mais si on le prend la chose de manière objective, ce n'est pas parce qu'il s'est trompé là-dessus que forcément c'est le roi des saucisses. Gilles, ça peut arriver à beaucoup de monde. Voilà. Excuse-moi Gilles, je te coupe. Il y a quelqu'un, escroquer ou escroqué, qui vient de dire « Gilles, il est corporate, c'est des restes de journalistes. » Ils sont forts, hein, ils sont très forts. Ouais, mais Michel, tu es placé pour savoir combien... C'est bien placé pour savoir que ce que j'ai eu à dire à Momo récemment, je n'ai pas mâché mes mots. Ah oui, bien sûr. Pas du tout dans le sens d'être corporate. C'est, j'essaie bien d'être objectif. C'est... Même si je n'avais pas eu de carte de presse dans ma vie, j'essaye toujours de me mettre à la place des autres. Tu fais le juste milieu. La personne n'est pas mon meilleur ami, j'essaye de comprendre et de me dire cette erreur, je ne veux plus la faire, etc. Le problème de Bouafsi, moi je suis extérieur à tout ça, donc je l'observe, c'est que ce mec-là, en fait, il est... Comment dire, quand tu écoutes, il a une émission en plus qui lui est consacrée. En fait, il a un temps de parole. Et à chaque fois que le problème, ce qui a énervé les gens, c'est qu'à chaque fois que tu parlais de la mauvaise gestion ces derniers temps, la mauvaise gestion de héros, parce que ça parle beaucoup de héros, etc., il allait toujours dans le sens en le défendant. Et tu défends l'indéfendable. Ça, c'est un autre débat, Yannick. C'est pour ça qu'il s'est beaucoup décrédibilisé en tant que journaliste. C'est beaucoup décrédibilisé, mais il n'empêche que il a quand même un réseau tentaculaire. Ah oui, ça, oui. Voilà, on peut pas lui lever. Wow.